Et salut à tous, salut la communauté, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un petit problème de stream. Je vais renvoyer tout le monde sur Twitch parce que j'arrive pas à restream j'arrive pas à restream sur YouTube et Facebook. Donc c'est pas grave, je réuploaderai les vidéos que j'aurai téléchargées sur Twitch après. Donc, rendez-vous sur Twitch, tout le monde est au courant. Pour une fois, il y aura tout le monde sur Twitch. En tout cas, c'est gratuit, vous aurez peut-être un peu de pub et puis tout va bien. Je réglerai ce petit problème un peu plus tard, puisque Streamlabs m'oblige à être Prime si je veux publier sur un flux particulier. Et donc, il autorise plus que Twitch sans... Donc, voilà, ça va être vraiment l'occasion de quitter Streamlabs et de passer sur OBS tout court. Ça permettra de faire des effets et tout en plus. On va bien rigoler. J'espère que vous allez bien. On a qui parmi nous? On a Cécidou, salut à toi. On a Latte Macchiato, on a Kenny Wix, on a Globum, Suprême Manu, Laura NTE, salut à toi, ma chère Laura. J'ai ma femme qui m'a mis une chanson de merde dans la tête tout à l'heure. Je ne la chanterai pas. Et oui, les vrais sont sur Twitch, Laura, évidemment. Évidemment. Non, mais je vous jure. Je vous jure. On va laisser un peu le temps aux gens d'arriver. Hein. J'espère que YouTube va suivre. Je vais renvoyer le message au cas où il ne l'ait pas vu. Hop, 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 hop. Et puis normalement, sur Twitter, tout le monde est au courant. Photo animée sur ton tweet. J'ai vu, c'est si doux. Ouais, j'ai... ça me fait flipper. Ça me fait flipper ton truc. Aujourd'hui, on va recevoir Dan Bernier. Ah! Qui va nous parler de White Spirit SEO. Ça va décaper. Et puis, l'idée, hein, c'est de prolonger le sujet qu'on avait développé avec Laura autour de l'intention, et vraiment coller à mort à l'intention. Donc, voilà ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. La semaine dernière, on a Sandrine qui est venue nous parler de comment référencer ses vidéos au travers des différentes plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit le site internet, etc., etc. Donc, je vous invite à aller voir le replay directement sur YouTube. Si vous avez loupé ça, c'était super intéressant. Aujourd'hui, nous allons souhaiter un très joyeux anniversaire à notre grand doudou, Black Melvin. Mathieu Guirbrand, c'est son anniversaire, alors souhaitons-lui un très joyeux anniversaire. Rendez-vous sur Twitter pour lui souhaiter un grand joyeux anniversaire depuis Tricaya Live. Vous pouvez mettre le hashtag, ça va le faire rigoler. J'espère qu'il passera incessamment sous peu. Enfin, quand je dis incessamment sous peu, c'est dans quelques mois, puisque le planning est fait quand même depuis un moment pour les mois à venir, mais... En tout cas, je pense que Mathieu se fera un plaisir de venir papoter et tchatcher avec nous. Aleda Solis nous a fait un update de ce que je vous avais partagé la semaine dernière. Donc voilà, je trouve ce document très intéressant. Il y a un taf de dingue qui a été fait là-dessus. Vraiment, je pense que c'est une bonne base si vous débutez en SEO. Et même si vous voulez revoir quelques best practices, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant et ça vaut le coup d'être partagé, clairement. J'ai lancé un petit truc ce matin, je me suis amusé sur Twitter. Et nous avons donc Babar qui propose une API et je me dis mais j'étais devant mon Screaming Frog et puis je fais ah mais ce serait bien qu'il y ait Babar là-dedans. Donc j'ai posé vite fait la question, évidemment toujours aussi réactif chez Screaming Frog. Ouais, ben écoutez, on peut y réfléchir, ben lancer un vote. Donc voilà, l'idée, ce serait quand même bien que ça marche, puis qu'on ait notre babartech national dans Screaming Frog. En tout cas, moi, ça me servirait bien. Et donc, je vous ai mis l'URL. Alors, je vais vous mettre l'URL que dans le chat Twitch. Oh, quel confort! J'ai pas besoin de tout mettre dans YouTube. Ah, peut-être qu'il y a des Facebook. Ah ben non, Facebook c'est pareil. Facebook c'est mort. Je peux pas publier sur Facebook.
Et voilà. Et encore Bruxelles qui m'appelle. J'en ai marre. C'est tous les jours, deux fois par jour, le plus 32-2, là. Et les mecs, ils ont un numéro de téléphone à chaque fois différent. J'en peux plus, quoi, de ceux-là. Donc, je vous invite à vous connecter sur Twitter et vous suivez le lien que je viens de vous donner et vous dites « vote ». Voilà, je vote pour qu'il y ait Babar dans Screaming Frog. Allez, allez, on y va. On y va, on y va. Je veux voir des trucs là qui passent dans Twitter. Salut Arnaud. On a Pascal aussi qui est là, salut. 0PixSW. Ah, cette fois-ci, c'est un vrai numéro en 03 qui m'appelle. On a Mitch, oh, le grand, le beau, le magnifique Mitch. Comment vas-tu? Yeka, Yeka. Et 4B2PTTV. Waouh, ça, c'est du pseudo. Change-moi ce pseudo, mon ami, c'est pas lisible. C'est Patrice. Ben d'accord, ben salut Patrice. Mais bon, 4B2PTTV, quoi. Ah, c'est parce que je t'avais jamais vu sur Twitch, en fait. Et mon pseudo de gamer, ok. Aïe, 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 tiens, je vais envoyer un petit ah. Ah. Voilà. Ah. Allez, allez, les amis, on vote, on vote, on vote, c'est parti. Un bon anniversaire à Black Melvin. We need, I vote for, vote, vote. Allez, allez, c'est pas assez, là. Go, 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 go. Et voilà, c'est Sid, il nous a fait un truc, ça me fait flipper. Oh my god. On dirait que j'ai mal quelque part, vraiment. C'est horrible. C'est horrible. Faut voter où? Faut voter là. Tiens, je te renvoie ça dans le chat, bouge pas. Hop. Voilà, tu vas là-dessus, puis tu dis vote. On va réussir. On va réussir à avoir Babartek dans Screaming Frog, vous allez voir. Ça peut être cool, non? Quand même. Il y a une certaine fierté avec notre Babartek. Bon, bah c'est bien, au final, ce bug, ça aura permis de réunir tout le monde sur Twitch, c'est bien cool. Et puis ceux qui veulent pas Twitch, bah, vous regarderez le replay sur YouTube, parce que je vais quand même le mettre. Tu te frottes les mains, Dan, t'as peur, tu sues. Allez, votez, là, hop, hop, hop. Ah, vous êtes pas motive, hein, c'est pas possible. Ah ouais, mais remarque, il y en a déjà plein qui ont déjà voté. Salut Alexis. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. Ok, ok, j'arrête de vous embêter. Alors, toc, toc, j'ai toujours pas réussi à faire le mode présentateur ailleurs que sur l'écran principal. Bah oui, Yeka, t'as déjà voté. Alors, vous aurez remarqué qu'on a des magnifiques vignettes cette fois-ci. La veille de mon anniversaire, le 24 février, Gabigo m'envoie un mail avec des vignettes magnifiques, YouTube et tout. Je fais, mais c'est trop gentil. Et au final, ben voilà, donc on a une nouvelle version. Merci à toi. Je ne sais pas si t'es là parmi nous. Fais coucou si t'es parmi nous. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je vais m'en servir. Je vais évidemment faire l'effort de mettre à jour les anciennes vignettes. Ta-da-ta-da. Ça va être long. Non, Alexis, t'as rien raté. T'as juste raté l'anniversaire peut-être de Doudou. Parce que c'est l'anniversaire de Doudou aujourd'hui. Tiens, sinon, il faut voter là. Tu réponds vote dans Twitter à ce tweet que je t'ai mis dans le chat, Alexis. Si tu ne l'as pas déjà fait, évidemment, on ne va pas les spammer non plus, les pauvres Screaming Frogs. Donc, merci à toi, Gabigo. Franchement, c'est Total Spirit. Je ne demande rien. Il regarde la vidéo avec Sandrine et il se dit « Ah, bah non, mais oui, c'est vrai que les vignettes, elles sont vraiment dégueulasses. Je vais faire quelque chose. » Et voilà, et gratuitement, il m'envoie des vignettes. Moi, je dis « Chapeau, Super Spirit. » Vous êtes tous sur Twitch. Donc, voilà. Vous pouvez tous interagir aujourd'hui. Vous pouvez utiliser des commandes avec point d'exclamation, comme point d'exclamation coaching si vous voulez directement mes coordonnées pour le coaching, point d'exclamation commands, point d'exclamation Discord, etc. etc. Et ben, point d'exclamation YT hein, si vous voulez passer sur YouTube, mais il n'y a personne sur YouTube. Ah ! Voilà, ça c'est suprême Manu, tu as tout compris. On peut déclencher des samples directement depuis le chat.
Donc, je vous Ouais, ai c'est pas fait. faux. Voilà, c'est Yeka connaît très bien la manipulation. Ah! Ah! Ah, salut Antoine, comment tu vas? Donc voilà, je vous ai mis quelques petits trucs. Je m'étais noté la semaine dernière de mettre un ça dépend, hein, parce que quand même, pour des SEO, le ça dépend, il me semble que c'est pas mal. Et puis un ta gueule de quand il dit ça va être tout noir, voilà, histoire que je puisse dire ça va être tout noir et que tout le monde clique sur point d'exclamation ta gueule. Oh, la belle prise. La belle prise. Vous pouvez toujours vous connecter sur le Discord, on est quasiment 200 cette fois-ci. Vous inquiétez pas, ça pop pas dans tous les sens, hein, c'est même tout mou du cul. Hein. Mais Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. Ah, il est pété. Sébastien, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Ah merde. Ah ouais, non, mais si ça a tout niqué, alors là, on est mal. Donc le Discord, tricaya.fr/discord, si vous voulez vous inscrire et que vous n'êtes pas encore inscrit, allez-y, c'est gratuit, ça mange pas de pain et participez évidemment, c'est fait pour ça. Et posez vos questions, hein. Si vous voulez rester Sale informé, connard. c'est C'est à côté. ici, stay tuned, hein. Si vous voulez rester informé, c'est YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Bon, évidemment, vous n'êtes pas sur YouTube aujourd'hui, mais si vous regardez les replays, cliquez sur s'abonner, même quand vous êtes en replay. Vous pouvez, depuis Facebook, aujourd'hui ça marche pas, mais si vous êtes amoureux de Facebook, il n'y en a pas beaucoup hein, quand même. Vous cliquez sur j'aime, vous partagez à votre communauté. Si votre communauté est sensible à ce genre de sujet, évidemment, hein, ne partagez pas à votre famille, ils n'en ont rien à faire, on est bien d'accord. Vous pouvez aussi, depuis Twitch, cliquer sur follow. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez en bas un petit bouton follow. Vous pouvez directement suivre la chaîne et ça déclenchera une petite notification en bas à droite de votre bureau quand je serai live. Et on va sans plus attendre accueillir le grand, le magnifique Dan Bernier qui va venir nous parler de White Spirit SEO. Attention, ça va décalquer les étiquettes. Dan, tu Ah! es en ligne. Bonjour Dan. Salut Fred, Tu vas salut à bien? tous. Ça va et toi? Et vous? Ah, tu me fous voir? Comment ça se Oh, passe? la belle prise. Bah écoute, hein, ils ont l'air d'être chauds là. Hein. Ils ont l'air d'être chauds patates, hot manioc, là je te dis pas. Hein. Le grand Dan, on a Mimille67 qui est là. Oh, le grand Dan, ben oui, hein, évidemment, Oui. hein, il est grand, il est beau, il est magnifique aussi. Et encore, vous m'avez pas vu debout, hein, parce que là, je suis assis tranquillement sur mon siège, évidemment. Mais bonjour à tous et à toutes. Le grand Dan, et oui, c'est Le moi. grand Dan, ben bienvenue sur la chaîne, Dan. Écoute, on s'est connus la première fois en 2015, je crois, ou peut-être même 2014, quand j'étais intervenu à Strasbourg. On avait fait connaissance vite fait, comme ça, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. C'était quoi le nom de cet event déjà? Optiday. Au petit dé, mais en fait c'était même avant un SEO camp, mais bon, SEO camp c'est tellement blindé Ah oui. de monde que c'est assez difficile de se capter aussi. Et je crois que c'était au SEO camp de 2014, dans mon souvenir. C'est possible, ouais, c'est tout à fait possible. On s'est plus longuement connus, en tout cas pendant ma formation sur la structure SEO avancée, à laquelle tu as participé avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de participation et beaucoup d'échanges. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire-là, et ce qui fait que je me suis dit, tiens, mais Dan, il a toute légitimité pour venir sur la chaîne. Donc voilà, Dan, tu te mouilles, on va dire, hein, t'essayes de pas te brûler les ailes parce que le sujet est quand même un peu bouillant. Alors, je sais pas s'il est dans le chat, mais il y a notre camarade Yaki SEO, hein, Thomas, avec lequel j'ai souvent discuté du sujet et qui m'a souvent poussé à faire cette conférence. Donc, merci Thomas, c'est grâce à toi que je suis là. Mais merci Fred pour cette invitation. Avec Et plaisir. oui, je me mouille, hein, mais le SEO, c'est la prise de risque, hein, parfois. Donc, il faut savoir prendre des risques. Voilà. On va
Je partageais mon écran et On puis a voilà. Pierrot Lalune qui est arrivé. Salut à toi. On a Yamocho. Bonjour Yamocho. Et puis, je crois que j'ai à peu près salué tout le monde. Tu as pas ton écran qui est affiché. Bouge pas. Dans à peu près 1 seconde et demie. Hop, hop, hop. Voilà. Ton écran est affiché devant tout le monde. Oh, la belle prise. Et oui, et ce qu'on voit là-bas, c'est l'horizon. L'horizon de nouvelles choses qui vont vous apparaître, évidemment, je l'espère comme une évidence. Alors, je vais vous partager mon écran ici, comme ça, en espérant que ça fonctionne. Ça marche Voilà, très bien. ça marche très bien. Il y a le bas qui se voit que moyennement, mais c'est pas très grave. Alors, juste, hein, j'ai deux écrans, comme souvent. J'ai ma webcam de ce côté-là, et puis j'ai le reste de mon contrôle. Donc si parfois je regarde par là, le chat, c'est pas que je m'intéresse pas à vous, hein, c'est que je regarde un peu ailleurs. Ouais, t'inquiète, Mais ils ont l'habitude avec moi, je regarde toujours partout. non, mais c'est ça, mais toi, tu as la webcam en face, donc c'est un peu plus facile. Moi, Ah, je cette fais le fois, choix. celle-ci, là, je l'ai mise en face. Ouais. Ouais. J'ai l'autre qui est de. J'ai deux webcams maintenant. Comme ça, au moins, je m'embête plus à faire la petite étape de fusion. Ouais. Alors, comment atteindre les sommets sans netlinking? Voilà donc un sujet qui est intéressant. Oui. Et comme tu parlais de White Spirit, ça rejoint aussi un peu le Spirit SEO que Paul Sanchez a déjà abordé sur la chaîne. White, bien sûr, mais bon, on va pas en abuser. Petite garantie sans putaclicerie, évidemment, puisqu'on a essayé, enfin j'ai essayé de vous fournir des informations concrètes, évidemment. Pas trop de bullshit de préférence, mais après, bah, j'espère que tout ça, ça va vous faire réfléchir et que ça va vous apporter, on va dire, des nouveaux horizons. Alors Donc, le quand tu dis pas trop de bullshit, c'est pas du tout, hein. S'il y a du pas du bullshit, tout, c'est ouais, pour pas du rigoler, tout. hein. Ouais, c'est genre no bullshit, Hein, quoi. premier degré, s'il vous plaît, soyez pas des brutes, hein. Non, sinon, allez-y, on va bien rigoler. Donc, plus 46 277% de chiffre d'affaires et plus 27 632 de visites, c'est en partant de zéro, évidemment. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et c'est juste avec du contenu remarquable, c'est un petit joke, évidemment, puisque. On voit parfois fleurir sur Internet, et notamment sur Twitter, quelques posts du genre « Ah, j'ai fait plus X%, mais on ne sait pas trop d'où ça part. » En effet. Donc en effet, Yeka, c'était plus pour rigoler, mais il y a des vrais chiffres qui vont être annoncés là-dedans. Moi, j'ai fait plus l'infini de pourcent. Ouais, plus Ouais, l'infini je et suis passé de plus 0 à 1. là. C'est ça, exactement. Alors bon, bah comme c'est souvent le cas, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas tapé mon nom dans Google, attends, faut que je m'assure que ça marche comme ça, sinon voilà. Pense pas Donc qu'il y je ait suis grand d'Alsace, monde qui te connaisse, hein. Strasbourgeois évidemment, ça c'était quand même important de le préciser, puisque il n'y a pas beaucoup de Strasbourgeois sur ta chaîne, donc c'est important de le dire. Évidemment, travailleur passionné, moi ce métier c'est ma passion depuis très longtemps, mais de manière professionnelle depuis que j'ai monté mon agence en 2010. Avec l'arrivée du CRO en 2013 pour ma part, donc tout ce qui est l'analyse de la conversion, si on veut, et puis peut-être le SXO depuis 2018, si tant est qu'on peut utiliser cette terminologie. Ce que je voulais vous dire, parce que bien sûr ma bio est particulièrement longue puisque j'ai commencé à bosser il y a plus de 20 ans, c'est que j'ai un profil technique, voilà, clairement dev. J'ai fait beaucoup d'intégration, mais personnellement, je me suis toujours intéressé au comportement, en fait, au comportement des gens, comment les gens y pensent, en fait, dans la vraie vie, voilà. Et c'est vrai que les mises à jour de Google arrivant, eh ben, j'ai pu commencer à m'intéresser au comportement des internautes. Et là, vraiment, alors je dis merci Google, hein, je suis pas pro Google, hein, mais c'est vrai que merci Google, parce que grâce à l'amélioration de leurs algorithmes, on est sorti, on va dire, de fonctionnement purement mathématique pour entrer un petit peu dans une sphère un petit peu plus comportementale.
Voilà. Et ça, moi, ça me passionne. Ça m'a toujours passionné au-delà du web. Voilà, voilà un petit peu mon parcours. Évidemment, je vous invite à taper mon nom et prénom dans Google. Vous trouverez plein d'autres informations sur qui je suis, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et c'est Danny Dan sur Twitter, si vous Dan voulez le trouver sur Twitter. FR, j'ai changé parce que j'ai plusieurs profils. J'ai des profils liés à d'autres de mes passions, mais je suis sûr qu'en expert de la recherche que vous êtes, vous allez trouver ça très facilement. Ah bah tiens, bah parle-nous de tes autres passions, vite fait. Les autres passions, j'ai plusieurs passions, notamment la musique. En tant qu'auditeur, voilà, moi je suis Ok. passionné par l'écoute de la musique. Donc, je collectionne des vinyles depuis pas Ah. mal d'années, dans plusieurs styles de musique très très différents. Voilà, mais c'est quelque chose qui m'a porté et qui en fait qui m'a rapproché au web dans les années 2000, puisque mes premiers sites web c'était des sites qui parlaient de la musique. Voilà, Ok. je passe. Quel genre de musique en particulier? Un genre ou pas? Alors, c'est assez éclectique. Ça va de la fusion du jazz électronique jusqu'au hip-hop, en passant par la musique black des années 70. Voilà, c'est un peu un 360 comme ça. Et puis j'écoute aussi pas mal de techno, même pur, quoi. Voilà. Ça peut aller très très loin. Quel genre de techno? Moi, je suis très attaché à la musique de Détroit, donc tout ce qui est underground résistance. Donc, c'est le son plus industriel du côté de la techno. Ce qui nous rapproche plus près de nous, on va dire, c'est le son de Laurent Garnier. Voilà, par exemple, le son de Laurent Garnier, ça, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de underground résistance. Ok. Ouais, ça c'est ma came. Mais bon, je pourrais en parler pendant des heures. Non, David Guetta, je suis pas sûr quand même. Si celui-ci, pas certain. Ouais, voilà. Après, il y a beaucoup de choses, mais si vous êtes malin, vous allez pouvoir trouver le site que j'ai depuis 2001 qui parle du sujet et qui est toujours en ligne et qui est toujours en place et qui voilà. Eh oui, Guetta, hein, c'est ça, c'est moi, métal. Ouais. Alors ouais. Petit peu de métal aussi? Non, pas très métal, pas très métal, par méconnaissance en fait, tout simplement. Alors, j'écoute beaucoup de jazz, donc c'est vrai que le jazz et le métal très souvent sont rapprochés, puisque c'est deux types de sons qui viennent à peu près des mêmes racines, on peut dire, dans un sens. Mais non, moi je suis pas très métal. Ouais, il y a beaucoup de grands métalleux qui finissent par faire du jazz d'ailleurs. Ouais, mais c'est ça, exactement, exactement. Ah, j'avais prévu une chanson d'anniversaire. Ah, bah c'est pas grave, on la repassera après. T'as tout préparé. Ah, Bon, allez, vas-y. ouais. J'ai complètement zappé. Je te On se laisse fait une continuer. interlude ou pas? Non? Allez. Tu crois? Non, non, Bah, non, on fera une une interlude à la passion, fin. un Non, autre. non, ça n'a aucun rapport. Bien sûr, bien sûr. Bah, tu vois, voilà, il y en a qui sont malins. Ils ont tout de suite trouvé. Donc, timelessinspiration.com, c'est mon podcast que j'avais lancé en 2004, mon souvenir. Alors malheureusement, à cause d'un problème informatique, j'ai perdu une grosse partie des émissions que j'avais, mais il y a quand même une cinquantaine de podcasts qui sont en ligne. Alors attention, hein, on parle des années 2000, hein, donc c'est un peu old school, mais voilà, ça c'est là-dessus vous pouvez écouter, il y a des émissions d'une heure à peu près qui vont dans plusieurs directions. C'est vraiment parfait pour bosser, moi j'utilise souvent ça pour bosser. Donc, ça c'est une de mes passions. Je me passionne aussi pour la cuisine, par exemple, la pâtisserie notamment. Ok. Il y a certaines personnes dans ce chat qui seront, voilà, qui ont pu voir ça. Voilà. Et puis sinon, bah, tout ce qui est lié au web, hein, moi je suis vraiment passionné par le web et puis même l'informatique de manière générale, hein, parce que j'ai bossé dans l'informatique longtemps et tout ce qui est hardware, fonctionnement, les machines, voilà, ce genre de choses, les réseaux, comment les réseaux fonctionnent. Ça, c'est un peu ma passion, quoi. Voilà. Bienvenue au club. Yes, exactement. Il y a beaucoup. Enfin, je pense qu'on est quand même dans un métier où il y a beaucoup, beaucoup de passionnés, quoi. Ouais. Comme ça dans d'autres, hein, évidemment, mais dans le SEO, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est top parce que les passionnés, ils viennent tous avec une histoire.
des choses différentes et tout ça mélangé, ça donne des belles choses. Donc ça, c'était le message d'espoir avant qu'on se mette sur la gueule. Mais Ok. non, mais non. Voilà. Alors, on va se faire un petit disclaimer pour commencer, histoire de, hein, pour rester gentil, évidemment. Cette conf, c'est pas de la provoque. Hein. On dit ça en rigolant, mais c'est pas de la provocation. Moi, mon but, c'est essayer d'ouvrir un peu le chemin des possibles en apportant, en fait, un peu un nouveau, peut-être pas un nouveau regard, mais un regard un peu différent sur une partie du SEO, sur ce qui représente un petit peu du SEO. Donc, très important de préciser que j'ai pas dit, voilà, je dis pas et je dirai jamais que le netlinking il sert à rien. Ça, c'est hors de moi, je ne dis pas du tout ça. Par contre, Ah, je c'est dis pas qu'il est faux. nécessaire dans beaucoup de cas, mais pas indispensable dans tous. Et ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre, au même titre que plein d'autres choses, hein, dans le SEO. Voilà. Il y a des choses qui sont vraiment fondamentales, mais moi personnellement, je considère que le netlinking, c'est pas fondamental au point d'être vraiment là tout le temps. Alors évidemment, on peut débattre longtemps sur cette phrase, et c'est pas mon but. Mon but, c'est voilà, essayer d'ouvrir un petit peu le chemin des possibles. Moi, je dis toujours, en fait, le netlinking permet de. Non, je dis toujours, le contenu permet de légitimer le netlinking. C'est, en gros, si t'es pas légitime en on-site, tu peux toujours faire des efforts en off-site, tu feras pas grand-chose. C'est ça. Et je précise aussi que moi-même, je fais du netlinking, je participe au marché que ça représente, je conseille, je fais des audits. Et le sujet, c'est pas de lancer une guéguerre infinie, bon, qui existe déjà, mais de lancer cette espèce de guéguerre entre le white ou le black, le netlinking ou pas le netlinking. Enfin, c'est pas trop le sujet, en fait. Mais voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'entrerai pas dans la guéguerre white-black. Ça, vraiment, franchement, j'en suis sorti, mais depuis il y a longtemps. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique SEO. C'est avant tout des rencontres. Vous connaissez probablement cette vidéo assez marrante qui existe de Stéphane Bern. Sinon, je vous invite à le taper dans Google et vous allez voir, vous allez rire. C'est assez marrant. Donc voilà, pas de guéguerre. Même pour vous dire franchement et très honnêtement, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de me présenter comme un white SEO ou comme un. Voilà, parce que on n'est jamais vraiment tout à fait white. Hein, je veux dire, je ne sais même pas trop ce que ça veut dire fondamentalement. Celui qui est 100% white, est-ce qu'il est vraiment 100% white? Celui qui est black, je ne suis pas sûr. Voilà, donc je sais pas si y a matière vraiment à faire à débat, si ce n'est. De dire est-ce que le jazz c'est mieux que le métal? Enfin voilà, c'est un peu le même genre de débat qui, à mon avis, ne mène à rien. Donc voilà, pas de guéguerre, je sais pas si tu Ouais, voulais on a réagir là-dessus. Patrice qui dit white, il touche à rien. Ouais, j'allais Ouais, dire, c'est ça. pour moi, le vrai white hat, en fait, il a dans son garage à peu près une dizaine de cartons de cierges, histoire de pouvoir aller poser des cierges en priant Dieu Google de bien vouloir apprécier à sa juste valeur son site et son travail. Enfin, bref. Non, mais enfin, on est d'accord. Si, à partir du Ouais. moment où on travaille en SEO, on manipule de toute façon l'algo. Donc on est forcément quelque part ni white ni black Ouais, c'est ou ça. totalement black d'ailleurs, hein, ça dépend. Mais il y a des ovnis, je suis en train d'auditer un ovni en ce moment là. Le site il respecte rien, rien, rien. Et ça rank à mort et ça fait des millions de visites par mois et je suis pantois, je regarde, je fais waouh. C'est que moi, c'est ce que je trouve formidable, c'est que malgré tout ce qu'on dit et tout, parfois on découvre des pépites, quoi. Même voilà, c'est le principe en fait un petit peu du SEO, c'est de partir un petit peu à l'expérimentation. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans le SEO, c'est le côté expérimentons, quoi, testons. Et alors, parfois, il y a des choses qui vont marcher à tous les coups, bon, et encore, c'est même pas sûr. Mais très souvent, c'est pas tu claques pas des doigts et ça tombe du ciel, quoi. C'est vraiment un travail d'analyse qui est hyper important, de remise en question aussi, tout simplement, parce que
Il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent qu'il suffit juste de faire un site, voilà, et puis d'avoir peut-être un bon produit ou peut-être de faire appel à un bon expert et qu'il y a tout qui va tomber du ciel. Il n'y a rien qui tombe du ciel, en fait. La chance, évidemment, ça existe, mais c'est quand même pas non plus 100% un hasard quand ça arrive, quoi. Voilà. Je pense qu'on est tous Alors, d'accord. on est tous d'accord, je pense, voilà. Donc, le quoi avant comment, je vais vous présenter un exemple concret qui est basé sur la thématique serveur NAS, sur lequel évidemment j'ai travaillé, sur lequel j'ai analysé, j'ai réalisé ce travail-là. Et évidemment, on va pouvoir en discuter ensemble, je l'espère. Alors, déjà, première joke pour notre ami Deidou qui m'a interpellé sur Twitter, évidemment. Le serveur NAS, c'est pas la loi Pinel, on est bien d'accord, c'est pas rachat de crédit, évidemment, mais c'est quand même pas mal. On est sur une thématique, bon, sur cette requête-là, il y a un volume de recherche environ à 5000. Sur la thématique au global, c'est-à-dire tous les mots-clés liés, associés, on va dire, plus, enfin, voilà, ça atteint des sommets, et puis surtout, on est sur une thématique qui brasse toutes les intentions possibles et imaginables. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Serrurier Paris, hein, on n'en parle même pas, hein. Serrurier Paris, c'est des volumes qui sont complètement fous. Je profite de l'occasion pour dire que la plupart des captures d'écran viennent de SI Observer, qui, voilà, personnellement, c'est l'outil que j'utilise le plus, bien plus que d'autres, parce que je trouve que c'est un outil qui est vraiment très orienté SEO. C'est ce système un peu de tableaux, export CSV et tout. Il y a que les SEO qui peuvent être fans de ce genre d'outils où Alors il faut restez écrire jusqu'à la soi-même. fin. Restez bien Voilà. jusqu'à la fin, j'ai une surprise. Ouais, en plus, il y a une surprise à la fin, là. Donc, merci, Kevin Richard parce qu'il a vraiment réussi à imposer quelque chose avec un outil finalement très simple d'accès. Et puis ça, c'est vraiment cool. Bon, là, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, hein. Avec l'état de la SERP en octobre 2019 sur serveur NAS, où je vous ai mis une capture de comment c'était à l'époque. Oula, il y a mille lieues de ça en octobre 2019, une autre dimension quasiment. Donc on a quoi sur cette SERP? On a matériel.net avec son guide d'achat, on a le top achat, on a Wikipédia, on a LDLC, un gros site e-commerce, on a Boulanger, on a Amazon, on a Les Numériques, on a le Big Data. On a mon serveur NAS, on en parlera vite fait après, et puis on a un autre LDLC qui est là. Donc, au vu de cette SERP-là comme ça, on a bien sûr Wikipédia numérique qui est là, mais bon, sur la thématique informatique, ils sont quasiment tout le temps présents, donc voilà. Et n'importe quel SEO, alors bon, je vous la fais rapide évidemment, mais n'importe quel SEO, il vous dira, bon là, on est sur une intention de recherche commerciale, il y a des pages de catégorie. Il y a les numériques, c'est de la comparaison, c'est un comparatif. Donc voilà, on va être dans l'intention de recherche comparative et dans l'état actuel des choses, moi je serais 100% d'accord avec lui Bah, ou disons que avec si elle on d'ailleurs. réfléchit déjà sans regarder la SERP, si on arrive comme ça en disant serveur NAS, tu imagines quand même que la personne, elle sait déjà ce qu'elle veut. Ah, ça Par implique contre, déjà que tu saches ce que c'est qu'un serveur NAS. Mais oui, en effet. oui, Tu pars en du principe considérant que que tu sais ce que c'est. voilà, tu sais ce que c'est, et donc qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas peut-être chercher les différents modèles de serveurs NAS, tu vas peut-être essayer de savoir quels sont les prix possibles, ce genre de choses. Je note quand même que le site dont je vais vous parler, le site du client, il est 36e dans mon souvenir à ce moment-là. Un petit mot sur la concurrence, vite fait. Donc je vous ai mis pareil la capture. Alors, elle n'est pas tout à fait prise en octobre 2019 parce que j'avais pas la possibilité de retrouver l'historique exact, mais c'est un petit peu ça quand même. Donc on a du costaud quand même. Matériel.net, Top Achat, bon, Wikipédia, j'en parle pas, mais LDLC, Boulanger, Amazon, c'est des gros sites e-commerce avec évidemment du gros TF, avec des domaines référents sur votre domaine, mais aussi sur l'URL. On a quand même un MFA qui est là, donc mon serveur NAS.com. Enfin, je pense que c'est un MFA, ça y ressemble très très
très très grandement. Et puis voilà, un profil de lien dans l'ensemble qui ressemble tout à fait à ce qu'on a l'habitude de voir dans la thématique vraiment informatique. Et voilà. Du costaud, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vrai, quand je vois ça, je me pose un peu la question, est-ce que je suis pertinent, en tant que client, à aller me mettre à cet endroit-là? Et voilà, est-ce que c'est parlant et est-ce que j'ai envie d'être là, quoi, très honnêtement. Est-ce que je vais. Est-ce que c'est possible déjà, oui. Est-ce que c'est possible, ouais? Est-ce que c'est Bon, possible? y a un ovni quand même, mon serveur NAS dans Ouais. l'histoire, mais je pense que c'est le NDD hein, qui joue beaucoup. Ouais, ou peut-être qu'il masque ses liens complètement, il bloque tout et du coup tu sais pas exactement ce qu'il en est. Oh, c'est pas une théma où les gens ils masquent trop leurs liens. Hein. Sais pas. Après là, il faudrait un autre spécialiste du sujet qui nous expliquerait exactement comment des domaines comme ça peuvent parfois performer à haut niveau. Mais voilà, le débat, c'est pas de dire on va vraiment regarder dans le détail de chaque domaine et essayer de comprendre pourquoi ils sont là. C'est voilà. On va dire qu'en octobre 2019, voilà où est-ce qu'on est. Le client, justement, le site du client, de toute façon, vous allez vite savoir de qui il s'agit, donc il n'y a pas de problème. C'est un blog qui a été mis en place en 2016. Il a été abandonné en 2018. Il compte, à cette époque-là, 120 pages indexées dans Google, qui parlent de tout, mais qui parlent surtout de rien. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de contenus divers et variés, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. Concrètement, il n'y a aucune page positionnée dans le top 10. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu, même pas sur une requête hyper longue, rien, rien du tout. Le profil de lien, bah, il est faible, comme on peut le voir. 6 backlinks pour 6 domaines ref, c'est pas fou. TF5, CF10, c'est pas fou. Vu le nombre de contenus, de ce que ça pourrait représenter, on pourrait s'attendre à un petit peu mieux, mais en fait, pas du tout. Et puis, bah, comme d'habitude, pourquoi le blog il est là? Bah, il est là parce qu'on leur a dit de le faire. Voilà. Ils savent pas pourquoi, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de raison en fait. Concrètement, ils savent pas où ils vont, quoi. Voilà. C'est un peu l'état actuel des choses et où est-ce qu'ils en sont à ce moment-là. Et donc le presque, c'est 6 backlinks. Ouais, le presque, en fait, le presque c'est 6 backlinks, mais pour moi, le presque c'est aussi ce dont on va parler après, qui est finalement. Parce Alors, que un an j'avais plus mis un tard. presque quand même. Ouais, bien sûr, non, mais évidemment. Évidemment. Après, on peut en discuter. Hein, on peut en discuter longuement. Donc, un an plus tard, en novembre 2020, on se retrouve avec la même SERP, à peu de choses près. Un petit détail, c'est qu'on a notre client qui est là, qui est premier sur la requête, avec une nouvelle page et avec un contenu qui répond à une intention informationnelle. Voilà. Très simple. Mais on pouvait déjà le détecter en fait, hein, parce que si tu regardes les deux premiers résultats qu'il y avait avant avec c'était matériel.net et LDLC, on avait déjà, t'avais fait la remarque d'ailleurs que matériel.net rankait avec son guide et LDLC rankait avec une page informationnelle aussi, qui a changé d'ailleurs sur ce screen-là. Si tu remontes au précédent, je crois que c'était un guide. Ouais, en fait, ça a changé parce que y a une raison particulière à ça. Je vais vous en parler après. En l'état actuel des choses, alors leur URL portait le nom de guide, mais c'était pas un guide, c'était une catégorie dans laquelle il y avait vraiment chaque produit qui apparaissait. Voilà, comme une catégorie de produits avec un petit peu plus de contenu. Matériel.net était aussi un petit peu dans cet état d'esprit-là, mais quand même. Moi, je dirais quand même plutôt sur une intention commerciale, parce qu'il y avait quand même cet objectif finalement de vendre du NAS et au moins de proposer une réponse par rapport à l'achat de matériel, ce qui est tout à fait normal. Moi, je critique pas les autres, hein, parce que là, on voit bien que aujourd'hui, matériel.net, ils ont deux URL, ils ont leur guide qui est monté aussi, mais ils ont maintenant aussi leur URL de catégorie qui est là, qui n'était pas là avant. Ok. Ouais. Mais c'est important ce que tu remarques là. Ouais. C'est Parce que. le fait que il y a quand même, vu la typologie du site, une intention de vente. Ouais. C'est clair. Et de toute façon, ça, le.
la problématique de ces SERPs avec des intentions mélangées, c'est, j'ai envie de dire que c'est le problème de société du moment en SEO. C'est qu'il y a des SERPs qui sont hyper clairs et il y en a d'autres qui ne sont pas forcément clairs. C'est pour ça que c'est intéressant. Pour ça que je vous ai mis aussi cet exemple-là, parce qu'il est sujet à débat, hein. Évidemment, on peut dire plein de choses. Et c'est pour ça que moi, j'ai essayé de dérouler en fait, l'analyse. C'est ce que je vais vous présenter au fur et à mesure. Là, je vous montre un peu les résultats, juste pour que vous soyez un peu, que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Donc, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a notre domaine qui est là, notre URL qui est là. Donc, c'est un blog qui est en place. Voilà. Bon. Concrètement, la puissance des autres s'est améliorée et puis nous, on n'a pas trop bougé, quoi. En gros, pour ce qui est du positionnement sur un an, donc on repère bien comment dire, le pic en gros qui correspond au moment où la stratégie de contenu elle a été déclenchée, on va plutôt dire ça pour vraiment être sûr. Et puis ensuite une lente montée. Pour atteindre, on va dire, les premières positions. En gros. Et les résultats alors? Eh ben, les résultats, ben voilà. Donc, le fameux plus 27 632% de trafic généré par les résultats naturels. Évidemment, c'est une joke, hein, parce qu'on commence à zéro, donc on va pas faire de la comparaison. Et puis, À presque voilà. Mais zéro. on part de zéro, c'est assez drôle de le mentionner. Et puis, il y a aussi. Alors par rapport au chiffre d'affaires, évidemment c'est assez difficile de relier une seule requête au chiffre d'affaires généré. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié le comportement des achats, d'achat des internautes qui étaient passés par cette page en provenance de Google, et on a identifié que dans un certain nombre de cas, eh ben, ils allaient acheter des NAS. Et vous le savez peut-être pas, mais des NAS, ça coûte quand même assez cher. C'est des gros montants de panier. Et donc on a, voilà, on a cette amélioration de revenus tout à fait exceptionnelle. Évidemment, ne m'envoyez pas de mail juste après en disant nous aussi on veut faire plus 47 000% sur notre site, parce que on va pas y arriver, on va pas réussir à faire ça. Mais bon, c'était drôle de le mentionner, je vous l'ai mis quand même. Bon, alors tu as utilisé une technique interdite ou des liens quand même? Eh ben non, il n'y a rien, il n'y a pas eu de lien. Aucun lien n'a été martyrisé en 2020, c'est promis. Je vous jure que c'est vrai. Alors quoi? Alors quoi? Eh bien d'abord, j'ai utilisé le bon sens. Utiliser le bon sens, ok. Donc j'ai écouté, j'ai appris, j'ai pris en compte et mis en application les conseils des membres de la communauté SEO. Et oui, c'est important de discuter avec les autres qui ont bah voilà, des ouvertures. Il y a beaucoup de SEO qui partagent, et je les en remercie d'ailleurs, leur expérience. Il y a beaucoup de confs, ça aide énormément. Il faut quand même dire que le sujet, je le connais, c'est vrai, puisque j'ai travaillé dans l'informatique, mais c'est aussi l'expérience qui fait que parfois, on arrive à activer certaines choses qui seraient pas forcément faciles de prime abord, évidemment. Mais tout ça, c'est pas possible si vous n'avez pas analysé, observé, brainstormé, discuté, échangé, voilà, pris des décisions, s'être trompé, revenu, voilà. C'est pas le fruit de pouf, ça tombe du ciel et puis c'est là. C'est un gros travail. J'ai mis en place des méthodes, des techniques, et je me suis adapté. Ça, c'est important, parce que s'adapter à la SERP, c'est un combat qui est quasi permanent, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors le quoi c'est bien, je vais vous parler du comment. Alors je regarde pas du tout les questions, hein, je m'excuse parce que je suis un peu concentré sur ce que je fais, mais Fred, tu me coupes, hein, si. Non, non, t'inquiète, il papote. Il y a Ok. Pascal qui papote à qui et qui a... Ah d'accord, ok. Bah écoutez, bienvenue les gars. Bon alors comment? Bah, c'est ce que je vais vous raconter justement. Je vais vous en parler un petit peu, on va en parler ensemble. Et si, au lieu de parler uniquement à Google comme le faisaient les concurrents depuis toujours, est-ce qu'il ne faudrait pas parler aussi aux internautes? C'est la question, et oui, qu'on se pose. Et lui, j'ai bien l'impression qu'il va encore nous rabâcher avec son intention et son fameux cycle.
Donc ceux qui me connaissent savent que j'ai ce mot à la bouche en permanence, le cycle d'engagement, l'intention, l'intention. Est-ce que tu as pensé à ton intention? Et voilà, donc oui, en effet, il y a cet aspect d'intention qui est important. Bon, alors on arrête les mystères. Concrètement, j'ai fait quoi? D'abord, j'ai analysé la SERP. Vous êtes tous des SEO, certains d'entre vous sont des SEO. Donc, évidemment que l'analyse de la SERP, c'est fondamental. Les pages du top 10, leurs forces, les faiblesses. En gros, j'ai fait un audit, hein. On va pas se cacher, même si ça prend du temps. Les forces et faiblesses de mon site, avec ses fameux 120 contenus, qu'est-ce qui était fort? En gros, je vous le dis direct, il n'y avait aucun contenu qui faisait le taf, hein. Ils étaient tous mauvais. Et puis, son site, dans son ensemble, ne répondait à aucune préconisation Google qui existait. Donc, toutes les bases n'étaient pas là. Le gros du taf, il s'est fait sur le fameux internaute, en fait. C'est que très rapidement, moi, je me suis posé la question de qui était l'internaute qui tapait cette fameuse requête. Donc, serveur NAS ou NAS, voilà, toutes les occurrences, on va dire, liées à la thématique. Et en fait, je lui ai parlé. J'ai tout simplement discuté avec lui. Donc, il se trouve que pour cette entreprise, on a quelque chose qui est formidable. C'est le support technique téléphonique et on peut discuter avec tous les internautes, enfin un certain nombre d'internautes qui passent par le site, qui ont des problématiques diverses et variées. Et puis ils avaient pendant longtemps une petite fenêtre de chat qui apparaissait où n'importe qui pouvait taper une question sur une problématique produit, n'importe laquelle, et n'importe qui du site web qui était connecté à ce moment-là pouvait y répondre. Donc c'était une espèce de mini forum outil qui était fonctionnel là-dedans. Et j'ai récupéré un nombre incalculable de discussions entre internautes sur des problématiques liées au serveur NAS. Donc concrètement, voilà, en discutant et en échangeant sur le sujet, et ben en fait je me suis rendu compte que, enfin je me suis rendu compte, non, je me suis pas rendu compte, mais il s'est avéré que il y avait un certain nombre d'internautes qui, quand ils tapaient serveur NAS, ils comprenaient pas le résultat que Google leur fournissait. En gros, pourquoi est-ce que Google voulait leur vendre quelque chose alors qu'eux, ils voulaient savoir ce que c'était qu'un NAS, ce que c'était qu'un serveur NAS. Très intéressant Donc, ce que tu dis à propos du support. Et ça, c'est quelque chose que je conseille à tous les clients qui font même du e-commerce, hein, tous ceux qui ont un contact téléphonique ou un contact direct avec les internautes et avec leurs prospects, c'est voire même ceux qui ont une plateforme téléphonique. Parce que très souvent, dans des entreprises avec une certaine taille, on a carrément un standard téléphonique avec plusieurs personnes. Et on oublie complètement ce poste-là. On sait qu'il faut l'avoir, mais en fait, on s'en occupe pas. Il y a pourtant une mine d'or d'informations à cet endroit-là. Il y a des questions récurrentes qui reviennent tout le temps où les standardistes, elles en ont ras-le-bol de répondre à ces trucs-là. Et jamais on vient leur poser la question. Et quand tu dis à un client, mais vous avez pensé à faire ça? Ah ben non, 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 mais je le mets en place tout de suite. Et dans les semaines qui suivent, voire même dans les jours qui suivent, tu as directement des réponses qui sont de l'or, quoi. Parce que tu vas pouvoir déjà, de 1, apporter la réponse à l'internaute directement sur le site. Tu vas pouvoir même prioriser en te disant, bon, bah celle-là, elle est vraiment, ouais, elle est clairement importante, il faut y répondre tout de suite. Donc tu vas justement travailler sur l'intention. Et secondo, tu vas libérer ton standard téléphonique d'une sacrée charge qui l'emmerde à souhait, quoi. C'est C'est ça. super, Et ça. puis il y a aussi un truc, c'est que il y a de plus en plus d'agences, même spécialisées en UX, qui proposent la mise en œuvre de tests utilisateurs. Donc moi, évidemment, je le conseille aussi, mais faut être honnête, c'est pas donné à tout le monde. Et là, en fait, on a des données qui sont, en fait, qui finissent dans la nature parce qu'elles sont exploitées par personne. Et en fait, c'est hyper hyper important, il y a plein de données vraiment super fortes. Et puis il y a aussi un autre aspect qu'on oublie, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Bon, alors ça n'a pas été fait dans le cadre de cette étude, mais moi je me sers beaucoup de LinkedIn quand je dois interroger des professionnels d'un secteur de métier, voilà, tout simplement. Et ben je vais discuter avec eux directement sur LinkedIn, en fait. Et on récupère beaucoup d'informations qui, quand on connaît le sujet,
on tombe un peu des nues, c'est vrai, mais quand on ne connaît pas le sujet, on apprend énormément de choses. Parce que ça, c'est assez intéressant, important, mais finalement, on ne sait pas toujours quelle est la réelle raison pour laquelle l'internaute va taper telle ou telle requête. Et c'est Non, comme et ça que. puis on ne sait pas à quel niveau il en est en fait. Alors que comment se situer par rapport au niveau des internautes standards, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des clients qui sont très pros, ils sont ultra pointus sur leur domaine et tout. Et tu leur dis non, mais il faut écrire là-dessus. Ils te regardent avec des gros yeux en te disant non, mais tu what the fuck, moi je suis un spécialiste. Oui, mais la personne qui est potentiellement ton client, elle n'est pas spécialiste. Le pire cas hein, que je connaisse dans le SEO, c'est les avocats. Les avocats, c'est les pires du monde pour ça, parce qu'en fait, ils sont toujours en mode jargon, ils sont en mode loi, code, etc. Et quand tu leur dis, oui, mais l'internaute qui t'appelle, lui, il a un problème, il est en garde à vue, il a un problème, il veut pas savoir si c'est du pénal ou si c'est. Il n'en sait rien. Enfin, peut-être qu'il le sait, mais il va pas chercher avocat pénaliste. Il va chercher avocat trafic de drogue. Il va chercher avocat viol ou je sais pas quoi. Enfin, la thématique, elle est glauque, hein, mais. Et finalement, bah, tu sais que pour les faire switcher vers cette notion d'intention et donc de besoin et d'expression du besoin au travers d'un moteur de recherche, ben, c'est compliqué, hein. C'est très Ouais, compliqué. c'est sûr. Et d'ailleurs, moi, je vous invite à écouter le dernier podcast de WAM Référencement, le WAMcast, parce qu'il y a l'intervention d'une personne de qualité dont j'ai un léger oubli de son nom, mais vous retrouverez ça très facilement, où en fait, il explique des cas justement de réflexion sur cette fameuse intention, mais au niveau réel, quoi. C'est-à-dire pas que la requête qui est tapée dans Google et le résultat, mais réellement la raison qui est cachée derrière l'intention. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment intéressant. C'est ce qui rend le truc vraiment très très intéressant. Donc, Laura précise Olivier Sauvage chez WAM. ouais, pardon, excuse-moi, j'ai terminé de l'écouter juste matin, donc j'étais plus trop dessus. Donc évidemment, Et le on a droit. Romuald, attends, je te coupe 2 secondes. On a Romuald qui brosse dans le sens du poil, qui dit Fred chéri, je peux balancer une offre, c'est proposer un BL gratuit. Ben évidemment que tu peux, Romuald. Bien sûr. En plus, Attends, moi. reviens à ta slide d'avant, s'il te plaît, parce que quand même, il y a une question fondamentale, je veux dire. Est-ce que l'ami de Jack, son nom de famille, c'est Daniels? Non, c'est pas Daniels. C'est Ah bon. Sparrow. Il se trouve que pour les personnages, j'utilise souvent des avatars de personnages connus dessinés. Et là, c'est Jack Sparrow qui a été identifié pour le persona dont je vais vous parler juste après. Non, c'est pas Jack Daniels. Mais à ce propos, il faut qu'on lève notre verre à l'ami Corleone qui n'a pas pu être présent là en live, mais c'est pas grave, il arrivera un petit peu plus tard. Et pour un petit salut, quoi, un petit coucou. Bah, il nous écoutera en Et replay oui, si bien sûr. jamais. Et non, donc voilà, le Jack Sparrow, il est ici. Vous l'avez tous reconnu, avec les petits décalages. Voilà, il y a eu ce travail qui a été effectué sur l'analyse de la persona, donc très important sur le sujet. En fait, ce qui est difficile avec l'analyse de la persona, et là, vraiment, très honnêtement, je mets un peu les pieds dans le plat, mais très souvent, c'est un travail qui est effectué du genre, ah tiens, bah attendez, moi, je suis SEO de ce que j'ai compris de votre métier, et puis je vais commencer à écrire ce que je pense de votre client idéal. Bah, en fait, moi, je fais pas du tout comme ça, et j'essaye de donner à mes clients une autre manière de penser, c'est réellement, quoi. Allez discuter avec votre client, avec votre prospect, et puis c'est comme ça que vous allez monter votre persona. En fait, réfléchissez aux réunions, aux discussions que vous avez eues lors des premières rencontres avec vos clients, si c'est possible, ou pareil avec le support. Essayez de réfléchir à la personne que vous aviez en face de vous, en fait, comment elle était. C'est pas seulement ce qu'elle tape dans Google, ou ce qu'elle aime, ou si elle est fan
de blogs ou de journaux, c'est physiquement et d'un point de vue comportemental, en fait, quel genre de personne c'était, quoi. Parce que, en fait, qui elle est, ça va influer sur sa manière de rechercher. Et un degré extrême qui fait que, eh ben, quoi qu'on fasse, ça demeure quand même hyper difficile de connaître la raison exacte de pourquoi il y a un internaute qui tape telle ou telle requête sur Google. On peut s'approcher de son souhait, de son besoin, mais si le mec, il pense complètement à autre chose et il tape une requête plus ou moins sans rapport, ça, on peut rien y faire. Donc pour l'instant, on n'est pas connecté sur le cerveau. J'espère qu'on ne le sera jamais quand même, parce que je n'ai pas trop là-dessus. Mais la requête, c'est notre lien avec l'internaute, mais n'empêche que ça ne fait pas tout. Donc on a quand même besoin de savoir qui il est, quels sont ses problèmes, ses peurs, ses besoins. Et c'est pour ça que pour moi, l'analyse de la persona, c'est vraiment un point qui est fondamental dans la stratégie SEO. Mais en fait, c'est du marketing. Le SEO, c'est du Ouais, marketing. c'est purement du Et on a marketing. besoin de ça. On a besoin de savoir à qui on doit parler, en fait, à qui on s'attaque, entre guillemets. Donc, ça, c'est un point qui est très important sur lequel, bah oui, on a passé beaucoup, beaucoup de temps parce que connaître son client et son client idéal, c'est avant tout se connaître soi-même, connaître son offre et ce qu'on propose, quoi. Et ça, c'est assez marrant de se rendre compte que tout le monde ne le sait pas forcément, en fait. Ça, c'est assez drôle, quoi. Ouais, le fait de passer par le standard, justement, comme tu le disais, hein, c'est très très intéressant pour déterminer les détails du persona marketing. C'est pareil, c'est une mine d'or, encore une fois. Surtout que tu as des gens, en général, qui sont assez sensibles à l'humain derrière les téléphones. Pour tenir des années à faire ce taf, de toute façon, il faut être sensible à l'humain. Et être empathique et être à l'écoute, évidemment. Et donc, ben, c'est forcément des gens qui sont très bien placés pour te donner les trois standards principaux des gens qu'ils ont au téléphone, quoi. C'est clair. Alors, je vois une question là de Yeka Yeka. Donc, la méthode no backlink a marché cette fois, mais c'est quoi le pourcentage de réussite selon ton expérience? Ben, moi, je peux te répondre, c'est que ça dépend. C'est la première fois qu'on l'utilise. Ça dépend. Non, le pourcentage de réussite, moi, je dirais 90%, mais évidemment, pas dans toutes les thématiques possibles et imaginables, parce qu'évidemment, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Mais non, non, il y a une vraie réalité en partant d'un site qui a déjà existé par rapport à un site qui a jamais existé. On rentre pas dans les mêmes pourcentages, ça c'est clair. Alors le problème de l'analyse des personas, c'est que en fait, une fois que tu connais ta cible, c'est pas pour ça que tu vas être capable de savoir lui parler, en fait. Et ça, c'est un autre aspect que je remarque très très souvent, c'est que souvent, enfin, ceux qui se lancent déjà dans l'analyse des personas, ce qui n'est pas tout le monde, on va dire, ils s'arrêtent là et derrière, ils rédigent les contenus. Mais il y a un aspect qu'ils oublient, c'est le cycle d'engagement. C'est justement, finalement, la réponse de l'intention. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est sur un site e-commerce que notre objectif, c'est toujours de vendre à tout prix le produit. Le fait de le vendre, c'est cibler l'internaute qui est prêt à l'acheter. Mais celui qui ne sait pas encore que le produit peut répondre à son besoin et que c'est chez vous qu'il va l'acheter, ben lui aussi nous intéresse, en fait. Donc le cycle d'engagement, c'est ça. C'est on va cibler l'intention informationnelle parce qu'on a besoin d'abord peut-être de convaincre notre internaute avant de lui proposer, on va dire, des comparaisons possibles, en fait. Et puis derrière, il va acheter chez nous, mais c'est pas certain. Je veux dire, on peut pas lui forcer la main, en fait. C'est ce que souvent j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que on peut pas imposer à l'internaute qui clique chez nous. Et c'est pour ça que je vous mettais cet exemple-là, parce que
il est assez énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai un peu halluciné. C'est-à-dire une top position, première position, top 1, pendant des mois et des mois. Donc sur une requête qui est quand même pas mal tapée. Là, on est sur aussi une requête qui a environ un volume de recherche à 4000 par mois. Et puis, un CTR complètement catastrophique. Pourquoi? Parce que, bah évidemment, vous allez me dire, le title est mauvais, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que l'internaute, il perçoit tout de suite qu'il a affaire à un site e-commerce, et ça va pas du tout l'intéresser, en fait. Donc, il va vraiment pas du tout cliquer dessus. Donc, savoir par quelles étapes passe, on va dire, notre internaute, c'est hyper important aussi, et c'est vraiment un axe sur lequel il faut. Ouais, faut analyser, faut travailler, faut être sûr de nous, parce que sinon, ça va pas fonctionner. Alors la bonne nouvelle, c'est que évidemment l'internaute, il est changeant, il peut penser différemment, il fait ce qu'il veut, évidemment. Ça c'est, je pense qu'on s'en est tous rendu compte, hein. Je veux dire, c'est l'internaute qui clique, c'est pas Google. Donc si l'internaute, il veut cliquer sur votre lien, il ira, et sinon il ira pas. Ouais, mais il y a des tendances quand même. Et c'est ça Ouais, il y a des qui est tendances. vachement important. C'est de Ouais. se dire que, et justement, l'exemple est bien choisi pour ça. Pascal, justement, est en train de s'énerver là dans le chat. D'ailleurs, Pascal, comme disait Laura, hein, tu tenteras quand même d'être respectueux, s'il te plaît. Sinon, si ça t'embête, hein, tu t'es pas obligé de rester. C'est justement ce qu'il est en train de dire après s'être fait un peu engueuler. Bon, je me suis fait engueuler, bah, C'est. j'ai pas entendu moi perso. En gros, il est en train de dire que le tu as ce qui semble analyser sur le site Makway, c'est que tu as un peu transféré le trafic vers une page informationnelle pure et que donc au détriment en fait de l'aspect vente. Qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion-là? Ben. Très clairement, non, puisqu'en fait, il n'y avait pas de trafic vers le site de vente. Il n'y avait pas de trafic vers le site de vente, il n'y avait pas de trafic sur le blog. Sur la thématique NAS, le site n'était pas du tout présent. Il était aucunement positionné, voilà, il était positionné plutôt sur Synology, sur le côté marque, et ça ne transformait pas tant que ça. Ouais, parce Donc, qu'une fois que les ça, gens se ça sont bien renseignés, en fait, ils vont taper une marque. il ciblait, voilà, le site ne ciblait que le pur transactionnel, c'est-à-dire ceux qui savent exactement ce que c'est, à quoi ça sert et où l'acheter en gros. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvaient en concurrence avec bah, les fameux LDLC, mais surtout Amazon, qui c'était un palier qui était trop haut pour eux, qu'ils n'arrivaient pas à franchir en fait. Donc, cette stratégie-là, le but, c'était d'aller toucher ceux qui ont besoin d'être convaincus, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de comprendre en fait, qui deviendront peut-être derrière des acheteurs, mais pas forcément, et surtout qui deviendront peut-être des acheteurs sur Makway, alors qu'avant ils étaient vraiment jamais. Donc le trafic n'a pas du tout été transféré. Je suis désolé, je ne sais pas comment tu peux sortir cette info parce que normalement sans Analytics tu peux pas l'avoir. Donc il n'y a pas Non, eu de mais il est trafic. arrivé sur les pages, sur les landing pages. Ouais. Et justement, tu parles de la page de catégorie, mais il faut savoir qu'un cocon sémantique a été mis en place aussi sur la structure de catégorie, mais je peux pas vous en parler avec la même certitude que le blog, parce que c'est une expérimentation qui a été mise en place sur le site e-commerce et qui s'avère finalement fonctionner. Mais on est dans un cas hyper précis, on peut pas parler d'étude de cas complète. Ouais, Donc, alors après, il y a quand même aussi des solutions UX qui peuvent être mises en place. Tu peux très bien apporter l'information, orienter une page de manière totalement éditoriale et derrière tenter de convertir sur de la vente. Mais cela dit, si la personne, elle est à ce stade-là de son intention, elle n'est encore pas au stade du comparatif, elle est au stade de la précision de son besoin. Donc, c'est peut-être pas forcément le moment. Mais par contre, si tu lui as apporté l'information et que derrière, elle va taper Synology plus une référence et qu'elle retombe sur toi,
Elle se souviendra déjà que ce site-là, elle l'a connu, qu'elle va lui faire confiance, qu'elle peut lui faire confiance parce qu'il lui a apporté, même si c'est inconscient, hein, que ce site lui a apporté quand même des informations qui lui ont permis de faire son choix. Et donc là, pour ça, Pascal, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Pascal qui dit c'est exactement ce qui a été longtemps reproché au cocon sémantique de Laurent Bourelli quand des pages cocon ranquaient à la place des quatre. C'est que c'est mal foutu si c'est le cas. Ou alors c'est que t'as pas compris, enfin que la personne qui critique a pas compris l'intention. Et donc, à partir de là, oui, on peut se dire, ok, bah tu vendras pas. Mais en tout cas, tu auras été visible à un stade de l'intention d'achat. C'est vrai que ça, mais je comprends que ce soit, voilà, c'est sujet à débat, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une analyse qui a été faite sur les clients et les potentiels clients de ce site, et qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait plein, et bien en fait, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un serveur NAS, et le problème, c'est qu'ils allaient chercher sur lesnumériques.com, sur alors, Wikipédia dans certains cas, mais sur tout un tas de blogs spécialisés pour comprendre ce que c'était, et nous, bah, on est les experts, on vend le meilleur matériel, pourquoi ça ne serait pas à nous de leur expliquer, de les convaincre en fait, tout simplement quoi. Et donc cette idée d'aller se positionner sur une SERP qui pourrait être un petit peu commerciale, c'est aussi pour récupérer ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un serveur NAS en fait, et qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin voilà, de conseils, et nous, ceux-là, on va les attraper. Et on va leur expliquer, et ils vont entrer derrière dans un tunnel qui est un tunnel du cycle d'engagement. Si tu cliques sur les liens, tu verras. Derrière, il y a d'autres articles qui sont plus commerciaux, d'autres qui sont plus transactionnels. Et voilà, l'idée, c'est d'apporter, on va dire, une sphère de réponse. Et tu parlais du cocon sémantique. Laurent connaît bien le sujet, on en a parlé ensemble. Donc, on a parlé ensemble de cette problématique de on est sur un site e-commerce. Et on veut essayer d'attraper ceux qui sont encore à l'étape extrêmement lointaine de l'achat. Ils sont pas prêts. Et voilà, c'était ça l'idée en fait. C'était vraiment l'idée, elle était derrière ça. On prendra le temps de regarder la requête dont je t'ai parlé l'autre jour, et dont j'ai parlé à Laura d'ailleurs, que je trouve être une requête très intéressante. Et je pense qu'il va bien compléter en ce sens. Hein, c'est la requête nettoyant cuir. On en discutera après. Je te laisse continuer. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ce que je disais, c'est que malheureusement, bah, parfois vous avez beau être premier, et puis ben vous n'avez pas de clic et c'est un petit peu la catastrophe. Donc évidemment, une fois que le travail sur l'analyse a été réalisé, qu'on a vraiment bossé sur le cycle d'engagement, évidemment qu'il y a enfin le contenu qui a été rédigé par des experts du sujet. J'appuie vraiment là-dessus parce que ce sont pas des SEO qui ont rédigé le contenu, c'est vraiment des gens qui connaissent, qui savent ce que c'est qu'un serveur NAS, qui sont, on va dire, au quotidien, au contact, on va dire, des problématiques qui sont liées. Alors, je fais une petite précision, ce contenu, il a mis 2 mois à sortir, hein. C'est pas un truc qui est sorti de notre chapeau comme ça, parce que répondre dans sa globalité, on va dire, à cette problématique de la thématique NAS, bah, c'est pas si simple que ça. Et évidemment, il fallait faire mieux que les concurrents. Il fallait faire plus exhaustif, mais sans se transformer non plus en Wikipédia. Et puis, il y avait un objectif derrière cette page. Donc, voilà, il y avait une somme de choses. Évidemment, on a utilisé les outils d'amélioration sémantique que vous connaissez tous. On a mis en œuvre les préconisations habituelles, voilà, Google, qu'on connaît tous, et on a mis en ligne. Et voilà. Donc, Tu veux parler du Urtex Gourou, je pense. un concurrent, mais c'est pas grave. Non, on parle Alors, pas des concurrents. en fait, on utilise les 3 outils. On utilise Urtext Guru, SEO Quantum et One.fr. Hein. Très honnêtement, je vous le dis, hein, on utilise les 3 outils parce que moi, perso, j'aime bien comment dire, compiler les données de plusieurs outils. Ça permet vraiment de faire ressortir la force de ce dont il faut faire, quoi. Donc, voilà. Chacun après s'adapte par rapport à l'outil qu'il préfère, quoi. Voilà. Bon, alors on arrive aux patates chaudes. C'était sûr, Immobilier. hein, c'était sûr. Tu m'as proposé ce sujet, j'ai dit allez go, mais il va falloir que t'assumes. Donc là, il va falloir que t'assumes, hein. Complètement. Ça commence. Donc on a David Grou, salut à toi d'ailleurs, qui nous dit en tout cas le 100 netlinking est quand même osé pour parler d'un site comme Macway.
Et derrière, on a Pascal qui est chaud, chaud comme une braise aujourd'hui, et qui dit, et en effet, comme David parlait de 100 liens sur un site de 1350 rêves domaines, je suis pas d'accord, désolé. Allez, Eh ben, réponds. il n'y a pas de souci, moi je discute avec toi. Si tu veux, je te montrerai Non, mais là en live, vas-y, vas-y. Tu les peux nous montrer graphiques des trucs, t'es en partage d'écran? qui ont fait plonger le site, en fait. Concrètement, le site, malgré ses 1300 et rêves domaines, et d'ailleurs, tu peux voir aussi sur les stats qu'il en a perdu énormément, en fait, il n'a pas gagné de nouveaux domaines. Et en fait, la partie lien, n'a pas joué en fait dans cette moi je suis désolé, je le défends tellement totalement, cette partie-là n'a pas joué sur l'amélioration du positionnement de ce site. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu crées une page mention légale au fin fond d'un site, et que derrière, juste parce que t'as un TF à 50, tu vas bien te retrouver positionné. Non, c'est pas vrai, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ce site-là, il était en perdition totale depuis plusieurs années, et c'est pas faute d'avoir mis en œuvre, essayé de résoudre des problèmes, et peut-être même d'avoir mis en place des stratégies diverses et variées. Mais le problème de ce site, c'est que voilà, il lançait plein de techniques, bam bam bam, mais il ne se posait pas la question de à qui il s'adresse. Je fais quand même une petite parenthèse puisque tu abordes le sujet, c'est que moi je vous parle que d'un tout petit aspect qui concerne les serveurs NAS, mais c'est un site qui vend tout un tas d'autres produits sur tout un tas d'autres thématiques. Et au global, les choses se sont améliorées grâce à notre thématique serveur NAS, mais si tu enlèves la thématique serveur NAS, le truc il reste en bas, quoi, tu vois. Oh ouais, mais bon, on est quand même d'accord Alors, que j'ai le une question terreau à de te liens poser. qui était en place n'est pas non plus quelque chose d'inutile, hein. Ah oui, non, mais je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit simplement que on a un contenu qui n'est pas positionné. Les 1300 rêves domaines, ça fait 3 ans qu'ils sont dessus. On a notre page qui est là, elle est 36e. Elle n'a pas bougé, d'accord? Il n'y a pas de nouveaux liens qui sont posés dessus. Il n'y a rien qui est fait. Ce n'est pas le hasard qu'elle est montée, qu'elle s'est retrouvée top 3 et qu'elle est restée top 3 pendant si longtemps. Non, c'est parce que, un, elle à présent, jusqu'avant, elle ne répondait pas, on va dire, à l'intention, que son contenu avait a priori aucun intérêt pour Google. Donc, le truc, c'est que les liens ne lui ont pas permis d'atteindre le top 3. Voilà, c'est ce que je dis, c'est tout. Je dis Ouais, pas donc que. t'es d'accord que sur un domaine neuf, la stratégie aurait pas marché. Non, je suis pas d'accord. J'ai des exemples. J'ai des exemples qui fonctionnent avec du pur contenu, avec des stratégies de topic cluster très évoluées. Il y a des, je suis désolé, mais il y a des niches sur lesquelles ça fonctionne. C'est voilà, ça fonctionne sur un domaine neuf avec aucun backlink. Parce qu'en fait, c'est ça, je sais que c'est tout le principe. Ça peut être Ouais, ça met combien de temps aussi? Ah oui, non, mais le temps, on n'en a pas parlé du temps. Parlons-en du temps. Oui, en effet, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est ça la petite nuance. Enfin, la petite nuance, c'est une grosse nuance. Mais le temps, c'est en effet important. Si tu regardes cette thématique-là, serveur masse, et je suis sûr que dans le chat, il y en a qui seront d'accord avec moi. Si tu mets une stratégie de lien, une stratégie de contenu, tu mets tout au même niveau. Peut-être que ça met que 3 mois au lieu de mettre un an. Peut-être que là, il était dans le top 3 et il commence un petit peu à descendre. Peut-être qu'il monte dans le top 1 et qu'il y reste. Donc, bien sûr, Cela dit, le sur une temps est important. requête aussi concurrentielle que serveur NAS, même si on n'est pas dans le top concurrentiel, on est d'accord, ça reste quand même très compliqué. Mais même si on a quand même vu un petit ovni qui était monothématique, qui arrivait à se positionner. Ouais. Dans le monothématique, je suis d'accord. Si tu commences à faire un site comme Macway avec zéro lien, mais bon, en même temps, c'est un site qui a un intérêt pour beaucoup d'internautes. Donc, le zéro lien, en même temps, on ne pourrait jamais faire le test, puisqu'il acquérera forcément des liens.
au fil du temps, ce domaine. Même en mode cierge à l'église. Donc c'est très compliqué. Hein. Je suis d'accord. Moi, pour moi, le sans netlinking, je suis d'accord. Je rejoins le chat. Hein, ça me paraît très, très, très compliqué. Même si on arrive à faire des choses très intéressantes avec peu de liens. Ça, je le conçois. Je le concède. Mais avec zéro lien, c'est quand même très compliqué. Non, c'est hyper compliqué, hein, je suis d'accord. Mais sur des stratégies d'hyper de niche, le truc c'est que et puis il y a plein de gens qui, enfin, il y a des conférences sur le sujet, c'est que atteindre, on va dire, un top 10 est assez facile sur un certain type de niche avec un très bon site, très bon contenu. Et très souvent, les liens, ils vont te permettre déjà d'atteindre le top 3, le top 1, et surtout d'y rester. C'est ça en fait la difficulté, c'est d'y rester. Je veux dire, parce que les concurrents, et c'est ça que je voulais vous dire, que j'ai pas eu le temps d'aborder avant, c'est que maintenant les concurrents se sont adaptés en fait. C'est qu'ils ont vu que leur contenu, ben, qui était là depuis longtemps et qui répondait pas forcément à l'intention, ben, en fait ils ont amélioré leur contenu et eux, ben, bien sûr, ils avaient, on va dire, une bonne stratégie en place et du coup ils ont récupéré leur top, tu vois. Donc évidemment, moi que je dis, je vais pas vous dire, ok, il y a eu zéro lien, le truc il a marché tout seul. Non, évidemment, c'est. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça que je voulais essayer de vous transmettre, c'est que sur cette thématique-là, qui sur le papier avait l'air d'être uniquement transactionnelle, et bien en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informationnel et beaucoup d'importance sur l'intention informationnelle. Et Et que c'est ça. personne répondait Et que finalement à personne ça, répondait quoi. à ça, en fait. Parce que même les numériques, ils proposaient, c'était un peu un article un peu assez long, mais très très rapidement, on avait une proposition d'acheter tel ou tel produit. Donc, il y avait quand même cette importance-là de squeezer, en fait, le résultat. Et finalement, on pourrait presque dire que la faute, elle est sur Google, parce que Google, c'est à lui de comprendre l'intention et de fournir, on va dire, le contenu le plus, le plus pertinent. Et là, la réalité, c'est qu'il s'est trompé. Et à partir du moment où il a identifié qu'en réalité, il y avait peut-être un peu plus d'informationnel que de transactionnel, et ben on voit qu'il y a un changement qui est opéré. Et ben le contenu informationnel apparaît. Et il y reste parce que, il est considéré comme étant pertinent. Et là, on n'est même plus sur une question de rêve domaine ou ce genre de choses. C'est est-ce que ce contenu, est-ce qu'il est pertinent par rapport à la requête? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser, quoi. Bien Et sûr, moi, bien c'est la sûr. question que je pose aussi, tu vois. Mais c'est ce qui va te permettre de limiter ton nombre de liens. Mais on est quand même d'accord que le comment ranker sans netlinking, c'est quelque chose qui est abusé. C'est abusé. C'est intéressant. C'est pour ça que j'ai souhaité laisser en fait ce sujet, que j'ai mis une petite étoile dans les tweets, que je t'avais averti déjà. Hein, tu savais où tu allais nager, de toute façon, hein, tu t'apprends pas le métier. Mais Ah oui, alors c'est clair. c'est important, en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient le SEO, de se dire que sans netlinking, à l'heure actuelle, faut vous dire que c'est une peine perdue. Hein. Et, Après, il par y a un contre, truc. le contenu est extrêmement important, de plus en Et le plus. contenu qui répond à l'intention est encore Passe plus parfois. important, en fait. Tout à fait. Parce que tu ne peux plus avoir un site. Avec une page et 150 000 domaines référents. Je ne sais même pas si ça a été possible à une époque, mais en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment pas possible. Et le truc, c'est que même un bon contenu, bah, ça suffit pas en fait. On se rend compte qu'il faut que le contenu il réponde à l'intention, et c'est ça qui est vraiment hyper important. Et c'est aussi pour éviter le problème dont je vous parlais juste avant, c'est que là, dans cet exemple-là, on a une page d'un site qui est bien positionnée, qui a des liens, en termes SEO purs, elle répond vraiment aux critères de Google. Je veux dire, c'est obligé. Et pourtant, les internautes, ils cliquent pas dessus. Parce que c'est un site e-commerce, et qu'eux, ils n'ont pas envie de cliquer sur un site e-commerce, ils n'ont pas envie d'acheter ou d'être livrés. Ils ont envie de comprendre, en fait. Donc finalement, on se rend compte que là, on est plus loin que. Enfin, on est plus loin. On est à un autre niveau que les critères SEO. On est dans des critères comportementaux. Et que ça, on doit les prendre en compte aussi. Donc c'est pour ça que voilà, on peut débattre mille ans sur les rêves domaines et tout, mais je veux dire,
il y a un moment donné, l'internaute, il est face à son écran. Pourquoi est-ce qu'il va cliquer sur ce lien-là plutôt que sur celui-là? Ça se passe aussi un peu au niveau, à son niveau, au niveau de son cerveau. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la main mise. On essaye d'analyser, d'essayer de comprendre ce dont il a besoin. C'est pour ça qu'on a aussi des outils pour analyser le comportement pour, une fois qu'il est sur la page. Mais je veux dire, il y a beaucoup de situations où finalement Google lui fournit quelque chose qui n'est pas ce qu'il a demandé, quoi. Parce que Google, il est aussi fort soit-il, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas vous lire dans le cerveau, en fait. Et puis Donc. surtout, s'il n'a pas le contenu attendu par les internautes, il va bien être obligé de faire avec autre chose, avec des choses approchées. Mais même si statistiquement, il sent bien qu'il y a une merde. Mais cela dit, le fond hein, du sujet, il est clairement là. Moi, je pense que on est dans la continuité de la presse avec Laura. C'est l'analyse de la SERP, la détection de l'intention, voire même, pourquoi pas, rattacher ça au persona marketing, ce que peu de SEO font, hein, faut se l'avouer, parce que c'est un métier, et puis parce que ça coûte très cher et que c'est très dur à vendre aux clients. Mais voilà, clairement, c'est très important de répondre à l'intention. Je vais vous afficher un petit truc. Par rapport au fait de mixer du contenu, tu peux regarder sur Twitch, parce que Ouais, tu c'est bon. n'as pas de retour vidéo vu que tu partages ton écran. J'étais en train de chercher un VTT électrique hier, oui, parce que je suis vieux et que le VTT sans électricité, ça commence à être dur. Comme Et toi. que j'ai pas envie de m'emmerder, j'aime bien descendre. Merci Yeka. Et donc, je tombe là-dessus. Donc là, j'ai tapé VTT électrique. OK, on arrive sur une page avec des produits. Mais par contre, si tu tapes comment choisir ton VTT électrique, ou le meilleur VTT électrique, par exemple, on va tomber normalement sur cette page, je crois. Ça doit être celle-ci. Ouais, voilà, comment choisir son VTT électrique. Voilà, ils ont. Et c'est cette page-là. Ils ont super bien joué le truc, moi, je trouve. Et ça, c'est exemplaire, en fait, dans le mix informatif et e-commerce. Parce que finalement, quand j'arrive ici, ben, j'arrive sur un beau guide qui m'explique les différents points qu'il va falloir que je prenne en compte. J'ai pas de produit. Et j'ai des call to action, voire nos VTT électriques. C'est pas agressif. Mais cela dit, quand je retombe après, parce que là, j'ai eu des informations qui m'ont été utiles, et forcément, il y a un moment, ils sont quand même bien positionnés, et je finis par retomber sur cette page-là, où je me dis, ah oui, tiens, je l'ai lu, ce comment choisir son VTT électrique, machin, et je me dis, bon, je vais aller voir. Pour l'instant, je n'ai pas fait mon choix, mais et il semblerait qu'ils n'aient pas ce que je veux dans leur offre. Mais cela dit, voilà, je trouve que c'est bien fait, et ça mérite d'être montré. Ouais, il y a un truc, c'est que, et ça, ce sont, là, si vous discutez avec des commerciaux, des gens qui font de la vente depuis longtemps, ils vous diront ça et ça nous choquera un peu pour nous, les SEO, mais c'est juste la réalité, c'est que quand une personne, elle se balade dans la rue et que chaque fois que son besoin lié à une problématique apparaît et que c'est c'est telle entreprise ou telle marque qui y répond et qui y répond parfaitement bien, bah, c'est bizarre, le jour où elle a le besoin, elle va directement dans la boutique et puis elle achète. Donc et là, on ne parle pas de matraquage publicitaire, on parle juste de le gars, il avait un problème, ou la nana, et puis elle va dans le magasin, le gars lui fournit l'information qu'il cherche, ok, bah il est très content, il ressort, ensuite, voilà. Bah nous, c'est le même principe, c'est nos articles de contenu informationnel, c'est je t'explique comment ça marche, à quoi ça peut te servir, je te propose des comparaisons, parce que c'est quand même un site de commerce. Je te propose plusieurs solutions possibles. Et voilà, maintenant, si tu veux acheter chez nous, bah, voilà combien ça coûte et on te le livre à telle heure, telle date. Mais si tu veux acheter sur Amazon, nous, on peut rien y faire, tu vois, c'est comme ça. Et moi, souvent, c'est ce que je dis aussi, c'est que l'objectif, en fait, de ces stratégies-là, c'est d'aller capter un pourcentage d'internautes que la publicité ne peut pas toucher parce qu'ils ne sont pas dans une intention transactionnelle. Et si eux, on les travaille un petit peu au corps, en leur racontant la réalité, en leur fournissant une vraie réponse, et ben en fait, on a fait la moitié du boulot. Et cette stratégie, c'est ça. C'est de s'intéresser à celui qui sait pas, qui sait peut-être même pas comment comment dire, comment il va répondre à son besoin. Et l'analyse de ce besoin, et Laura en parlait très très bien, je trouve,
C'est voilà, c'est ça. C'est une fois qu'on comprend un petit peu quel est le besoin de l'internaute, ben on va essayer de s'adapter à ça. Et ça, je pense que c'est un petit peu ce qu'il faut faire. Tout à fait, tu prêches un converti. Je voulais montrer Yes. la pyramide inversée, en fait. Ouais. Je vais pas la retrouver, mais bref, Moi, clairement, je te la. l'internaute, tu l'as, toi? Ouais, je l'ai juste là. Ouais. C'est vrai Ah bah que. tiens, me montre là. Parce que voilà, hein, capter le niveau d'intention, c'est et justement chercher à vendre à quelqu'un qui n'est pas prêt. Comme je dis toujours à mes clients, hein, si on sent que dans l'intention de recherche, il n'a pas sa carte bleue à côté de lui, ça sert à rien de chercher à lui vendre quelque chose alors qu'il n'est pas prêt. C'est comme quand tu arrives dans un magasin, que tu regardes, tu flânes devant les rayons parce que tu as juste envie de prendre ton temps et de flâner devant les rayons, et puis tu as un putain de vendeur qui vient de casser les bonbons en me disant « Vous voulez que je vous aide ?» Ben non, c'est bon, je suis en train de regarder, quoi. Regardez, exactement. Et Et ça arrive à tout le monde. ben oui. Tout le temps. Et en fait, le problème, c'est que si tu sautes sur la personne tout de suite en disant, ah bah regardez, on a des promos, mais le mec il se sent agressé ou nanana, elle n'a pas du tout envie de discuter avec toi. Et Internet, et là sur le web, on a la possibilité de lui fournir une information qui est non agressive et qui, je l'espère, répond à son besoin quand même. Et ça, c'est bien. Donc, alors, je sais pas si c'était de ce document dont tu parlais. Celui-là, il vient de Ouais. Samuel, je crois bien. Enfin, c'est à peu Et près celui-là, mais ouais. on a bien donc les 60%. Déjà, ils sont pas encore conscients du problème, mais surtout, ils ont aucune idée de qu'est-ce qui répond à leur problème. Ça, c'est hyper important. Ils comptent justement sur Google. Ils vont sur Google parce qu'ils ont besoin d'aller se nourrir de Ah, c'est pas faux. l'information, de ce qu'on pourrait leur donner comme info. Ils ont besoin d'essayer de comprendre, ils ont besoin d'être convaincus. Alors, je ne dis pas que 100% des internautes sont comme ça, hein, mais il y a une grosse partie des internautes qui ont besoin de ça. Et si on se dit, bon, bah, on s'y intéresse pas, et ben on passe à côté d'un gros pourcentage, on va dire, d'internautes qui sont potentiellement des clients, quoi. Voilà. Et alors, les 37% là qui sont entre le conscience du problème et recherche active, ben, il y a de plus en plus de campagnes marketing qui s'intéressent à eux parce que c'est ceux qui sont encore indécis, quoi, qui peuvent très bien basculer chez vous ou chez un autre. Donc, Il y a le roi Merlin qui est très très bon là-dedans, dans le pas encore conscient du problème. Ils vont te donner des tonnes et des tonnes d'informations pour que tu arrives à faire du do it yourself. Et donc bah, tu vas passer 60% de ton temps à apprendre en fait ce que tu vas faire, quels outils il va te falloir, etc. Et à un moment donné, quand je parle d'investissement dans le contenu, c'est même sur des plateformes où il n'y a pas du tout écrit le roi Merlin nulle part. Hein. Et ça, on est vraiment, bon, sur les grosses marques évidemment, hein, on est vraiment dans ce niveau de compréhension-là à l'heure actuelle du web et de ce que les gens en font. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ben justement, tu parlais des grands comptes et il se trouve que moi j'ai l'occasion de travailler avec des plus petits comptes, on va dire, et ils commencent à comprendre cette importance. Il n'y a qu'à utiliser le terme parfait. On fait du marketing, exactement. Évidemment, le SEO, c'est une technique. C'est une technique qui fait partie du marketing, mais on fait du marketing, on fait du commerce en fait, hein, sur le web. Et si on ne s'intéresse pas à qui est notre cible, eh ben on va finir tous comme des cons à se battre sur les mêmes mots-clés ou à se battre Ah oui, sur les mêmes campagnes. Et c'est complètement. pas ce que veut l'internaute. Donc Ah mais je suis désolé, je rigole parce qu'il y a Yamochino qui dit ou Doctissimo qui t'explique comment tu vas mourir. ouais, c'est ça. Ou quelle maladie t'as attrapé par erreur, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, Pascal, ouais. C'est clair, il y a un point clé hyper important, que ce soit sur le Roi Merlin ou sur le site de vélo, il y a le menu produit en haut. Ouais. Moi, je suis sûr qu'un jour, ils vont le supprimer, ce menu, parce qu'ils ont tellement confiance dans ce qu'ils font que finalement, ils ont peut-être même pas peur de l'enlever complètement. Ça, je pense que c'est du haut niveau qu'on verra pas tout de suite, comme exactement. Malheureusement, parfois, j'essaye de pousser ça chez mes clients en leur demandant d'aller mettre bah oui, des liens ou même des références à leurs concurrents, en fait, mais sans faire de, tu vois,
sans faire de combat, mais comment dire, de comparaison pure. Et c'est vrai que l'internaute, il a besoin d'avoir toutes les solutions qui lui sont proposées, et à toi de le convaincre que c'est ta solution à toi qui est meilleure que les autres. Mais si Ah, tu dis juste c'est très compliqué. qui va gagner, C'est quoi, très tu vois. compliqué de convaincre des clients de faire ça. Là, en fait, ce dont on est en train de discuter, les 60%, hein, je compare ça en gros 4 par 3 à l'entrée d'une ville. T'as des grandes marques qui savent qu'il faut mettre un 4 par 3 à l'entrée d'une ville. Tu leur demandes combien ça leur rapporte, ils vont te dire on n'en a rien à foutre, on sait qu'il faut le faire. C'est tout. Mais ça coûte, hein, ça coûte un prix de dingue. Et quand le roi Merlin investit dans des plateformes qui te permettent d'apprendre à faire du do it yourself, ils savent très bien que si tu trouves le truc à 200 mètres de chez toi, tu vas aller l'acheter à 200 mètres de chez toi. Mais ils en ont rien à faire parce que mécaniquement, ils augmentent quand même leur vente de toute façon. Donc Ouais, c'est. ça. Ils ont d'autres leviers aussi. C'est ça le truc. C'est que quand t'as que le SEO, t'es obligé de prioriser finalement, de faire des choix. C'est pas toujours évident. Évident, évident. Mais bien sûr que ton CTR est pourri sur la page NAS. En fait, tu parles du taux de conversion plus que du CTR, je pense, Pascal. Tu peux préciser? Alors le CTR n'est pas du tout pourri. Alors après, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu entends par CTR pourri? Mais je veux dire, quand tu passes de 0 à 15%, moi je suis désolé, mais c'est plutôt pas mal, quoi. Donc le CTR n'est pas du tout pourri. Non, mais je C'est un pense qu'il parle du taux de conversion, Ah, ok. Ouais, taux de passage à la vente, ouais, c'est ça, taux de conversion. Donc on est bien d'accord, évidemment, mais puisqu'on est en train d'identifier une intention où la personne, elle n'a pas sa CB à côté d'elle. Et donc forcément, on est d'accord, oui, le taux de conversion est dégueulasse, mais de toute façon, il serait dégueulasse, puisque la personne n'est En pas fait, prête. il y a quand même un truc que je précise, c'est que le blog de ce site, il n'a porté zéro vente. Zéro vente, quoi. Donc maintenant, c'est sûr que le taux de conversion à côté du site e-commerce, on ne discute même pas, hein, il n'y a pas de comparaison possible, Ah ben mais non. il apporte quand même quelques ventes, alors qu'avant, il n'en apportait aucune. Donc, moi, je suis désolé, c'est quand même. Enfin, il y a une amélioration. Évidemment que juste ce blog tout seul, et encore, il ne faut pas le regarder dans sa globalité, mais si tu prends juste les pages de NAS, ce n'est pas ça qui vont te permettre de faire tourner une entreprise. Mais après, on est quand même. On réussit à attraper des internautes qu'avant, on n'avait aucune chance d'attraper, en fait. On n'avait aucune chance de cibler. Et on est en Et. train de parler d'un taux de conversion indirect, et Ouais. donc qui n'est pas mesurable ou très difficilement mesurable en fait. Hein. C'est pour ça, C'est ouais. quand tu tapes dans ces 60%, voire même dans les 80%, hein, parce que conscient du problème, c'est pareil, t'es même pas à l'étape de comparatif. Pour moi, l'étape de comparatif, c'est la recherche active. Et donc, dans ces 80% du temps, ben tu auras eu au moins l'occasion de te faire connaître. Derrière, le taux de conversion, il est immesurable en fait. Parce que la personne, pour un serveur NAS, elle peut très bien prendre sa décision dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an. T'en sais rien. C'est ça. Parce que son pote, le mec, il s'est renseigné, tu lui as donné des informations, mais il n'en a encore pas assez. Il avait croisé son pote hier à l'apéro et il lui a dit, Ah ben ouais, mais faut acheter un serveur NAS. Hein. Et puis le gars, il est un peu tout con, il vient le soir sur son ordi, il cherche serveur NAS, il se rend compte que c'est tout un monde. Et puis voilà, puis le surlendemain, il retourne boire l'apéro avec son pote, il lui dit, Ouais, écoute, je me suis renseigné, ouais, je comprends un petit peu ce que c'est, machin, et puis je vois quelques modèles, et puis celui-là, t'en penses quoi? Et c'est toute cette démarche, en fait, qui est absolument immesurable. C'est le 4 par 3 à l'entrée d'une ville. C'est ça. Et il y a quand même, alors je réagis quand même parce que je vois qu'on parle uniquement d'informationnel, mais il faut savoir qu'il y a quand même un travail qui a été réalisé sur le topic cluster, parce que c'est un topic cluster qui est en place, pour amener l'internaute qui arrive sur notre page informationnelle, qui ensuite est déplacé vers une page qui va être un peu plus commerciale, comparative, une autre un peu plus transactionnelle et une dernière. Qui est sur la boutique pour le faire acheter. Et en suivant ce tunnel, parce que c'est rien de plus qu'un tunnel, on a identifié qu'il y avait des ventes et que la page d'entrée, c'était cette page pilier qui était informationnelle. Donc évidemment, on n'a pas de certitude à 100% parce qu'en effet, voilà, l'internaute, il arrive là, il ressort, il revient, ok. Mais je peux quand même vous affirmer que cette page, elle a converti, elle a été le point d'entrée de conversion, et pour ça, on a quand même des données, quoi.
Alors justement, par rapport à ça, il y avait une remarque tout à l'heure qui était... alors je ne sais pas si c'était exactement ça, mais ça m'y a fait penser. C'est le remarketing. Parce que là, on peut tenter d'avancer avec la personne dans sa démarche tout en disant, Eh oh, au fait, on est là. Ça peut être un point d'entrée de remarketing très intéressant. Coucou RGPD, oui. Beaucoup RGPD, c'est clair. Bah après, il y a des outils d'analyse comportementale qui respectent vraiment bien le RGPD. Hein. Il ne prend même pas les mouvements de souris pour être vraiment certain de pas être identifiable, quoi. Il prend que le clic sur le Ahref et voilà. C'est assez. Alors, je voulais pas au début vous montrer ça parce que ça devient vite assez illisible. Je vous le montre quand même. C'est juste pour vous expliquer le processus en fait de maillage Pascal, on a trouvé un maître pour toi. qui alors j'utilise des outils de mind mapping hein, merci Laurent, c'est lui qui m'a mis là-dessus. Voilà. Rapidement, ça c'est la structure de maillage qui amène l'internaute de notre page pilier qui est le NAS qui est un contenu informationnel vers éventuellement un contenu qui est commercial comparatif qu'elle n'a à choisir, et vers éventuellement voilà, nos conseils pour choisir un NAS multimédia qui est un contenu plus transactionnel, qui éventuellement nous amène derrière vers la page de conversion, la landing page. Évidemment qu'il y a le travail, c'est ça aussi, c'est d'essayer d'identifier, d'analyser, de comprendre et de mettre en œuvre un moyen pour que l'internaute, on lui fournit pas juste une info, on n'est pas Wikipédia, on lui fournit une info dans un but précis. Donc voilà. Bon, je suis d'accord, hein, mes schémas sont un peu compliqués, je m'en excuse, mais l'idée c'est vraiment ça. C'est on va fournir le bon contenu au bon moment, mais on va aussi permettre à l'internaute de rester sur notre site et d'entrer. Voilà, de le faire entrer un petit peu dans notre tunnel d'intention, en fait. C'est exactement ça. Ouais, lui Voilà. permettre de comprendre l'univers dans lequel il met les pieds, quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et il peut le faire, mais il peut ne pas le faire. Il peut Évidemment. aussi retourner dans Google. Et retourner dans Google et du coup, taper sa requête qui, elle, pour le coup, est une requête avec une intention totalement commerciale ou alors une requête totalement transactionnelle. Et dans ces cas-là, on a le cycle d'engagement dont je parlais avant avec l'informationnel, le commercial et le transactionnel. Voilà. Et après, on retrouve, on va dire, les comportements un petit peu habituels qu'il y a du côté des internautes. Voilà, je dis pas que ça se fait dans 100% des cas, mais ça se fait quand même dans pas mal de cas. Alors, ça s'excite là. Alors, ça coûte rien à tes clients de foutre un menu. Bah non, en fait, on voulait pas le mettre, ce menu, parce qu'on voulait pas. Alors, le problème des sidebars, là, je peux vous répondre parce que j'ai ré réalisé des analyses comportementales assez poussées du sujet. Les sidebars avec des bannières, genre off promo et tout ça ne fonctionne pas. Enfin, franchement, ça ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui clique dessus, en fait, parce que je sais pas pourquoi, et ça, il faudrait peut-être en discuter avec des experts comportementaux, mais ce côté, encore plus quand c'est côté droit, ils veulent pas cliquer en fait là-dessus parce que ça fait trop référence peut-être à de la publicité. Et quand tu es sur un contenu informationnel, bah tu t'attends pas à avoir de la publicité qui apparaît, voilà, tout simplement, donc ils cliquent pas. Voilà. Donc ça n'a pas été fait dans ce but-là parce que si ça n'apporte rien, on va pas le faire, quoi. Ça a un nom, hein, ça s'appelle le banner blindness. C'est analysé comportementalement parlant, UXment parlant, depuis assez longtemps. Quand on avait fait le UD, non, je sais plus comment ça s'appelait, on avait fait un événement avec Yuda sur un bateau. Et il nous avait emmené un professionnel de l'UX qui s'appelle Yves Koukouk, je crois, K-O. C'est K-O-C-K, non, K2O. Ouais, on va mettre ça doit être Yves Koukouk, peut-être. Non, c'est pas lui. C'est peut-être pas Koukouk. C'est peut-être pas Yves. Il nous a... Enfin, bref,
Je vous retrouverai ça, je vous enverrai la référence. C'était purement génial. Tiens, merci Yeka. Ouais, c'est ça. K-O-E-K, K-O-E-K. Il y a des vidéos qui traînent. Alors, par contre, c'est des vidéos en anglais parce que la vidéo de chez Udix, elle est bien, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas l'écran et qu'il y a vraiment besoin de voir l'écran. En fait, il nous avait fait un test qui était purement génial où il nous avait montré l'interface du site Le Monde où il y avait le visage de Poutine qui était en première, en une du journal. Il y avait des pubs sur la droite, il y avait des pubs un peu partout, et un sujet texte. Donc, il nous a laissé à tout le public 10 secondes pour analyser l'interface. Après, il a enlevé l'interface, il l'a représentée sous forme de wireframe, et il nous a demandé à tout le monde de lui indiquer les différents éléments qu'on avait enregistrés et de les replacer aux bons endroits. Donc, tout le monde avait retenu Poutine. Il y avait un regard. Et donc, le cerveau est fait pour matcher tous les regards qui traînent. Hein, ça, clairement, le regard qui est là, vous l'avez tous vu, c'est obligatoire. C'est juste une obligation de notre cerveau d'aller analyser un visage. Et sur les pubs à droite, personne n'avait retenu. Et pourtant, il y avait des pubs Le Monde, il y avait des pubs qui étaient là depuis des mois et des mois. Et dans le public, il y a une nana qui dit « Oh merde! » Je bosse chez Le Monde et je suis incapable de le dire. Et ça nous avait tous mis sur les genoux, quoi. Genre, voilà. Et ça s'appelle le banner blindness. Et donc, ton Ouais. cerveau, en fait, fait. Je le vois pas, ouais. Mais c'est inconscient, en fait, hein. Il ne le C'est ça. voit pas inconsciemment. Il te rend aveugle, quoi. Ça m'étonne pas que ça marche pas. C'est Et je cet pense effet-là. qu'il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il y a beaucoup de sites à une certaine époque qui avaient vraiment ce fonctionnement-là avec la sidebar sur la droite, le contenu à gauche. Donc finalement, le cerveau, il apprend, il retient ce genre de choses, quoi. Donc ça ne veut pas dire que si demain vous inversez, ça va tout de suite marcher, encore que c'est le genre de test que vous pouvez très très bien faire, que je vous invite à faire. Les tests AB, c'est vraiment la solution, quoi, pour comprendre en fait le comportement de votre internaute. Ce que j'aborde pas là parce que j'avais pas forcément le temps, mais c'est vrai qu'il y a des outils d'analyse comportementale qui ont été mis en œuvre sur les pages du site pour justement pas seulement dire oui c'est bon on avait raison, mais pour vraiment se rendre compte qu'en effet l'internaute ben déjà il passe du temps sur notre contenu, il scrolle, il va cliquer sur le lien qui est tout en bas de la page, ce qui n'est pas toujours évident sur les articles qui sont longs. Donc on retrouve un comportement de quelqu'un qui est plus dans la recherche d'infos que celui qui est pressé pour acheter. Et voilà. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, faut pas oublier que, je l'ai dit au début, l'internaute, il est changeant. Donc ce qui a fonctionné à un moment donné, ben, ne fonctionne peut-être un peu moins maintenant. Et on est dans un perpétuelle évolution. Et notre contenu, ben, il faut l'améliorer en permanence. Toujours proposer quelque chose de mieux, de plus récent avec le contenu le plus frais possible. Et c'est finalement ce qu'ont fait un petit peu les concurrents sur cette thématique-là, c'est qu'ils ont amélioré leur contenu. Hein, moi, je l'ai vu. J'ai vu matériel.net mettre en avant, retravailler leur contenu, repenser un petit peu la structure. Donc, c'est que, voilà, pour regagner des positions qu'on avait perdues, parfois, améliorer un contenu, c'est la bonne manière de faire, quoi. Voilà. Ouais, puis parfois tu peux te retrouver avec des marques qui vont faire le taf d'éducation aussi. Et donc finalement, ben, les gens, ils savent déjà, ils passent beaucoup moins de temps dans ces 60% parce que ben, ils sont éduqués, tout simplement. Bon, alors voilà, le content is king, pas la peine d'en parler, hein, c'est... Ah bon, je n'ai pas mon écran, je vais regarder ça. Tac. Ouais, donc content is king, évidemment, hein, 1996, hein, ça c'est quelque chose qui est juste une évidence. Mais bon, derrière content is king, il y a aussi le contenu qui répond à l'intention, hein. Je vois beaucoup, enfin, pas mal de rédacteurs qui font souvent des contenus hyper hyper longs où ils mélangent toutes les intentions. Et dans certains cas, ça peut être bien, mais quand même, il faut essayer de rester sur un peu la même intention, parce que si tu commences à tout mélanger, parfois, bon, on ne sait pas Ben trop ce que... c'est pour ça que Laura, justement, avait décomposé les niveaux d'intention et organisé même l'ordre des arguments
au sein de sa page pour dire, bon, bah, et c'est quelque chose qu'elle glisse dans son brief rédacteur pour driver le rédac, parce que c'est pas toujours évident, hein, le rédac, il n'a pas forcément pris le temps d'analyser de cette manière-là. Et peut-être qu'il n'a même pas les compétences d'ailleurs. Donc c'est toujours important de si toi tu as drainé ce type d'information, de lui donner quoi, hein, parce que ça fera un contenu bien meilleur. Ouais, et puis il y a certains rédacteurs, rédactrices qui sont capables de mesurer et d'analyser le contenu des autres, mais tout le monde ne sait pas forcément le faire. Et Ouais. moi, je pense que c'est plus un travail de SEO quand même, de SEO, de UX ou de personnes qui Market, travaillent dans le web, on va dire, ouais, tout à fait. d'identifier les forces et les faiblesses d'un contenu, et peut-être pas forcément de tous les rédacteurs. Enfin, s'ils veulent le faire, c'est avec grand plaisir, hein, parce que ça prend du temps quand même. Voilà, donc le contenu a été rédigé, il a été mis en forme, ok, et voilà, les euros ils sont tombés par milliers, et ben non, bien sûr que non. À nouveau, petite référence à Pablo Mira en 2-2, hein, ces vidéos sont assez marrantes. Bien sûr que non. Donc ça a été un travail de longue haleine, ça a pris du temps, hein, parce que c'est vrai que l'aspect temps, on n'en a pas parlé, mais ça a pris énormément de temps, hein, évidemment. Ça a pris quasiment plus de 6 mois pour la partie analyse, rédaction de contenu, et même quand le contenu il était en ligne, ça a mis plus de 3 mois avant de bouger sur les serpes. Donc là, faut aussi se rendre compte de la réalité, hein, c'est que ça prend du temps, ok? Ça prend du temps. Maintenant, on peut se retrouver, et là c'était un petit peu le cas, sur un projet où il y avait des soucis de partout, hein. Le contenu c'était une chose, mais il y avait d'énormes problèmes aussi sur les aspects techniques. Donc le temps qu'on monte un petit peu tout ça, ça a permis de retravailler d'autres aspects. Donc vraiment temps hyper important. Moi ce que je voulais dire c'est que il faut pas trop faire confiance aux outils. Il faut faire confiance aux outils parce qu'évidemment tout analyser à la main c'est quasiment impossible. Mais je pense que c'est vraiment hyper important de assez souvent retourner sur la SERP, bon, déjà pour voir un peu ce qui s'est passé, comment les concurrents ils ont géré, et d'en rediscuter en fait avec les vraies personnes parce que c'est aussi au changement de vos pages que vous pouvez voilà, en réinterviewant, en rediscutant avec votre persona, et essayer de capter si vous avez bien compris ce dont il avait besoin. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est vrai que parfois on passe à côté de l'évidence, quoi. Donc les critiques, bah, on reste ouvert d'esprit, hein, les amis Yeka, moi je reste ouvert aux critiques, hein, il n'y a pas de problème. Oh, mais Yeka, C'est il a à rien dit, hein. C'est toi surtout Pascal. voilà, Pascal. Écoute, moi je suis ouvert à la discussion, si tu veux, on en discute. Vive voir, hein, il n'y a pas de problème, je peux te montrer d'autres exemples. Et parfois ça marche et parfois ça ne marche pas, il n'y a pas de vérité, hein, je suis pas Sylvain Perronet, je ne peux pas vous apporter une certitude, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas une certitude, c'est une étude de cas, voilà, qui a fonctionné sur un certain nombre de projets précis. Et voilà, et si les choses ne se passent pas comme prévu, et ça c'est vraiment important, je pense, c'est qu'il faut jamais oublier qu'on a notre analyse persona qui est là, qui est une bonne base de travail sur laquelle on peut repartir, nos outils de test, notre flot d'informations, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup d'infos, et voilà, on parlait à la communauté, évidemment, essayer d'avoir un regard neuf, parce que quand ça ne se passe pas bien, souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On va aller parer au plus pressé, genre on va envoyer une grosse stratégie hyper rapide sur quelque chose. Alors qu'en fait, il faut avoir un petit peu de recul, un petit peu tout ça, et puis essayer de reprendre les choses à zéro. Donc c'est pour ça que ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi je travaille beaucoup en collaboration avec mon client parce qu'il y a des aspects qui en fait me sont totalement inconnus, en fait, tout simplement, qui sont propres au métier, propres à la situation, au produit qui est vendu et qui va évoluer avec le temps. Donc surtout rester très connecté avec bah, finalement celui qui sait, c'est celui qui vend le produit au final, qui vend la prestation, quoi. Hyper important. Bon, alors le netlinking dans tout ça, bon, je sais que ça vous emballe pas, mais c'est quand même la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu besoin de backlink en fait pour pousser cette page. Voilà, il n'y a pas eu de backlink externe qui ont été posés, de nouveaux qui ont été ajoutés pour pousser cette passe. C'est un topic cluster qui a été mis en œuvre avec une quinzaine de contenus et un maillage interne spécifique. Donc voilà, avec les techniques, les méthodes dont expliquent très bien les frères Perronnet sur le surfeur raisonnable. Donc c'est ce que je vous expliquais avant, ce maillage de tunnel.
Et ces 14, enfin ces 15 contenus un petit peu remarquables, c'est l'ensemble de ces contenus qui ont permis à ce que le site, on va dire, il se positionne sur cette requête-là. 15 contenus, alors qu'avant, on en avait peut-être une centaine, mais qui répondaient à aucune intention. Voilà. Donc, c'est juste ça, ce que je dis. Je dis pas, ça ne fonctionne pas. Je dis juste, bah voilà, bah là, il n'y a pas eu besoin. Donc, Ouais, je l'ai expérimenté il y a encore je suis trois sûr, semaines. franchement, que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, en fait. Oui, C'est-à-dire que, tout à fait. vraiment, très honnêtement, il y a parfois le backlink qui va être nécessaire pour pousser. On a besoin pour démarrer, ok? Mais parfois, on n'a pas besoin de démarrer. On arrive très très rapidement en 10e position, ou en 8e, ou en 7e. Et là, on se retrouve face à un plafond de verre. Et là, on a besoin du backlink pour aller atteindre la 3e place ou atteindre la première place. Et si je prends cette stratégie spécifiquement, enfin, moi personnellement, je pensais que le netlinking allait être nécessaire à un moment donné, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on se rend Mais compte il y que avait bah. une attente, il y avait une attente dans la SERP à laquelle personne répondait et Google avait bien identifié ça. C'est souvent, je ramène ça à ce que Laurent dit, si ça veut pas rentrer par la porte, passe par la fenêtre, quoi. C'est ça. Et il y a des fois, ben c'est d'ailleurs la semaine dernière où j'ai abordé ce sujet-là par rapport au carrousel vidéo, de me demander à partir de quel signal et à partir de quand finalement le carrousel vidéo se déclenchait. Et finalement, est-ce qu'on est capable de faire déclencher un carrousel vidéo alors qu'il n'y en a pas? Et finalement, de rentrer par la fenêtre. C'est ça. Et puis bon, après Google, il peut quand même finir par comprendre un petit peu les choses. Et puis, bah, ça, c'est un critère qui a toujours existé, hein, les contenus. Laurent, il parle des contenus remarquables. C'est exactement ça. C'est un très bon contenu. Si vraiment il est bon, il va survivre dans la SERP quand même assez longtemps. Et après, bon, après, bah, voilà, utiliser un petit peu. Alors, je pensais pas que j'allais prendre autant de temps. Je sais pas si on a encore un petit peu le temps parce que moi, je serais bien. J'aurais bien pris un petit peu des thématiques au hasard pour que ensemble on se mette un peu dans la tête des internautes. Allez, on va en prendre une vite fait. Faites un vote là. Comment on peut lancer un La vote? Je crois pièce qu'on de peut nylon, lancer il un balance vote dans les Twitch. chaussures en cuir. On a toujours l'univers Apple qui n'est pas inintéressant, même si c'est assez complet. On a le monte-escalier senior. Ah ouf, elle est technique celle-là. Monte-escalier pour senior? Ah, il y a Yeka qui propose Vibromasseur. Ma soeur, ouais, Non ça mais va nous vas-y mais prends nettoyant cuir. Franchement moi nettoyant cuir. Ok, c'est une requête que je voulais aborder avec Laura. On n'a pas eu le temps. On va prendre quelques minutes, 10 minutes. Allez, on se donne 10 minutes pour regarder ça. ouais. Bon, Tu je précise quand même hein, que je le dis, je l'avais quand même préparé dans ma slide, donc c'est que. Voilà, moi je pars jamais de la requête. Je pars toujours du point de vue de l'internaute, donc qui il est, qui est-il, comment vais-je l'aider, qui suis-je, voilà, pourquoi moi. Vous connaissez ces perpétuelles relances que nous fait notre ami Laurent en permanence. Donc, partir de C'est du l'internaute, marketing, ça c'est le marketing, c'est c'est purement du clair. marketing. Alors. Allez, prends un navigateur en navigation privée. Non, on fera pas Vibromasseur, elle est Un pas, vibromasseur, mais sur un truc, elle est laisse trop tomber. claire la requête. Et ouais, je pense que bon. Quoique. Mais bon, après, tu vas te faire retargeter de tous les bouts. Non, non, c'est pas entretien de chaussures, c'est Je m'avais dit nettoyant. nettoyant cuir. Le Je l'avais, tu vois, je l'avais voilà. déjà, j'avais déjà imaginé. Nettoyant cuir, en fait, on imagine tout de suite un produit, du nettoyant. Je veux acheter du nettoyant. Ce qui est d'ailleurs proposé en shopping directement. Ensuite, on se trouve directement avec une P0 et avec une réponse 4 astuces de grand-mère. Ensuite, on a Amazon, après on a Alta Cuir, après on a Star Wax, donc des boutiques, puis des questions. Noroto, tout en cuir, donc c'est un guide. Je ne sais pas, elle a changé cette requête.
Ouais, Elle ils ont arrête pas placé une petite de tablette. changer. Voilà, on a un blog, on a tout pratique. Voilà, on a vraiment un gros mix entre. As-tu filé à l'apéro, toi, déjà, Laura? J'ai de la route. C'était cool les débats aussi. Ouais, bah oui. Bah à plus, écoute, santé. Donc on est vraiment sur une requête qui est un mix entre l'informationnel et le produit. Moi, en fait, quand j'ai attaqué cette requête, parce que j'ai déjà bossé dessus pour un client, je me suis dit, mais nettoyant cuir, quoi. Putain, c'est pas assez clair, je cherche un produit, quoi. Et finalement, je pense, j'ai l'intime conviction que les gens, quand ils tapent nettoyant cuir, se rendent vite compte qu'ils peuvent faire des grosses conneries. Et ben, finalement, leur canapé à 5000 balles, ils peuvent le prendre et le mettre à la poubelle s'ils font mal le job. Et donc, je pense. Clairement, parce que moi en fait j'ai connu cette requête, c'était uniquement produit. C'était que du e-commerce. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un mix justement où tu te dis waouh, attends, comment ça se fait? Et j'ai l'intime conviction que les gens retournent sur la SERP et cherchent comment nettoyer du cuir. Parce que finalement, ils ont besoin d'informations après être arrivés sur le e-commerce. Là, pour le coup, ils avaient déjà la CB, ils étaient prêts à faire l'achat, et ils sont revenus pour se renseigner. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est très complémentaire avec cette notion de capter l'intention de recherche. C'est finalement, Google a bien compris que les gens avaient besoin, qu'est-ce qu'il dit? Produit à 9 euros, frais de port à 8 euros. C'est clair. Ouais, après, c'est vrai que la présence du P0 indique quand même qu'a priori, Google a plus souvent identifié le fait qu'on était sur une requête. Alors, ouais, une requête commerciale comparative, c'est vrai que ça peut parfois osciller entre l'informationnel et le transactionnel. Mais je pense que même lui, il voit les deux comportements. C'est-à-dire qu'il voit l'internaute qui tape nettoyant en cuir et qui clique, mais vraiment hyper vite sur quatre astuces de grand-mère, parce que lui, vraiment, c'est cet internaute-là, il cherchait de l'information, des solutions possibles. Et d'autre part, il voit un autre internaute qui tape nettoyant en cuir et lui va aller directement sur Amazon. Donc, on se retrouve aussi avec ces requêtes qui suivant la maturité dans laquelle se trouve l'internaute, va donner un résultat qui pourrait être différent. Donc, ça ne veut pas dire que si demain, sur cette requête, il y a 10 résultats informationnels, je suis pas sûr que ça soit la bonne réponse non plus. Tu vois, il faut fournir un petit peu des deux parce que ça va dépendre en gros un petit peu de ce que veut l'internaute. Donc c'est pour ça que moi, parfois je parle de, excusez-moi du terme, mais je parle de longue traîne transactionnelle, c'est-à-dire qu'on est sur une requête qui est beaucoup plus précise, mais qui va avoir une intention avec une certitude qu'on est sur de la transactionnelle, et à contrario, on a la longue traîne informationnelle, donc vraiment une requête pour laquelle il n'y a pas de débat, quoi, et on est sûr de l'intention. Alors, il y avait tout à l'heure une petite remarque qui m'a bien fait rire. C'est est-ce qu'il va y avoir des tips? Alors, j'ai un tips qui est intéressant là-dessus, en fait, et justement qui pourra aussi répondre à ce que Pascal abordait comme sujet par rapport au taux de conversion sur l'histoire de serveur NAS. À partir du moment où ton guide éditorial rank premier, tu peux faire une 302 vers la catégorie e-commerce, qui va venir prendre la place gentiment. Et il n'y aura pas de perte. Hein, ça marche. Ça marche. Voilà, si vous voulez un tip, s'il y en a un. Par contre, vous vous rendrez vite compte du taux de conversion, justement, qui est dégueulasse. Et Qui va être. vous allez enlever votre 302 pour remettre votre guide, parce que Ouais, c'est finalement, ça. ça marchait aussi bien. Voilà, Et vous en vouliez un plus, vous allez. tip, en voilà un. La 302, ça peut servir à certaines choses, et en l'occurrence, à ça. C'est clair. À montrer au client que ben ça convertit pas. Des Ouais, et puis fois, de on toute se façon, trompe, hein. ouais, ce test-là, on le fait aussi quand on a une fiche produit qui est top 1 sur la requête et qui convertit pas du tout. Et là, dans ces cas-là, en effet, on va renvoyer sur la catégorie parce qu'en fait, on réussit pas à identifier si c'est ce produit qui répond à la requête ou si c'est peut-être un autre produit ou est-ce que c'est un aspect de comparaison. C'est Ouais, c'est bizarre déjà de trouver un produit. Google ça. préfère quand même les catégories. C'est quand même assez bizarre de trouver un produit. À moins que ce soit une référence produit, évidemment. Auquel cas, c'est normal de t'envoyer vers une fiche produit. Mais voilà. Ouais, c'est clair. OK.
Eh ben écoute, je crois qu'il te restait quelques slides pour ton auto-promo. Il me reste juste une petite slide, je vous montre juste ça, parce que je pense que comme ça on termine gentiment. Voilà, la petite phrase du soir qui nous vient de notre ami. Attends, attends, on voit pas. Ouais. On voit ton navigateur. Voilà. Ah, ok, attends. Voilà, qui vient de notre ami Nelson Mandela, qui dit simplement, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et bien, je pense que c'est une bonne. C'est une bonne phrase à réfléchir, c'est il n'y a pas de défaite absolue, c'est l'apprentissage du sujet qui vous rend, je ne sais pas meilleur, mais en tout cas qui permet un petit peu de s'adapter. Et puis pour ce qui est de l'auto-promo, ben, merci à vous, et puis à ceux qui ont posé des questions. Je n'ai pas pu tout suivre, mais il y aura le replay pour que je puisse récupérer et répondre aux questions. Il y a toujours mon Twitter si besoin. Je remercie quand même ces quelques personnes-là, notre ami Yaki SEO, sans qui je ne serais pas là, les deux Salut Olivier. Yaki d'ailleurs, oui. Bah, il est de retour dans le game, hein, donc il va falloir se préparer à son retour, parce Ah, que ah comme bon, il est reparti de la politique, il fait plus de politique. ouais, il a plus ou moins rechangé. Pardon. Ouais, Yaki quoi. Yaki, quoi, qui change d'avis Yaki quoi. comme de chemise, mais À vous peu en faites près. pas, il est de retour, et bientôt tout le monde aura son avatar sur les lèvres, si je puis dire. Les deux Olivier, donc Giffaise, Andrieux, on n'a pas trop parlé d'Andrieux, qui est pourtant un voisin, hein, mais qui évidemment m'ont fait découvrir ce métier. Laurent et son chapeau noir, merci Laurent. Thomas Kubel, je suis beaucoup ces podcasts qui sont vraiment, je vous invite vraiment à y aller parce que c'est chaque semaine, il met beaucoup d'énergie, un petit peu toi, Fred, pour bah voilà, pour transmettre, et ça c'est vraiment fort. Kevin Richard, je lui ai déjà dit merci, je lui redis merci. C'est Merci. Richard, hein, c'est pas Richard. Richard. Hein. Oh, ça lui ferait rigoler, mais. Ah, je suis Et sûr. tu peux éditer ton slide là où c'est un PDF? Ah non, c'est un. Ouais, carrément. Ouais, tu mettras un S à Sanchez, s'il te plaît. Ouais, ça fait Ouais, mal. bah ouais, parce que là, on va se faire engueuler sinon. Ah, on se fait tuer. Kevin Richard. Non, mais Yeka, quoi. Après la réflexion de Nelson Mandela, il dit ils apprennent beaucoup à l'OM en ce moment, alors. Moi, je suis pas foot, mais elle me fait rire. Voilà, et puis merci Fred pour ton invitation, et puis voilà, merci à tous et à toutes. Eh ben, Et avec plaisir. Écoute, ça a laissé place à un grand débat. Je laisserai le titre « Comment ranker sans netlinking » c'est rigolo. Je laisserai toujours l'étoile, hein, évidemment. oui, bien Hein, sûr. on rank pas sans netlinking, on est tous d'accord. Hein, c'était pour faire une blague. Mais cela dit, si on travaille bien son on-site, il y a moyen d'économiser énormément de backlink. Voilà, ça, on est tous d'accord là-dessus. Restez, j'ai une surprise, les petits amis. Ok, alors attends, je reprends le. Invité surtout, la fameuse surprise du prochain invité. Ah, la prochaine. La fameuse surprise du prochain invité, exactement. Pourquoi Exactement, ça oui. marche pas bien, ça? Qu'est-ce que c'est que cette connexion? Ah, c'est derrière. Ah! Donc, évidemment, hein, si vous êtes sur YouTube en replay, puisque vous ne serez pas aujourd'hui en live sur YouTube, vous mettez un petit pouce bleu, ça vous fera plaisir, ça me fera plaisir aussi, et ça permettra de donner de la visibilité à la chaîne, comme on a vu la semaine dernière avec Sandrine. C'est tous les mardis à 15h, jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes les bienvenus, je vous aime, les petits amis, vous êtes des fidèles et ça me fait méga plaisir. Je propose du coaching SEO, 120 € hors taxe de l'heure. Appelez-moi, faites-moi signe par tous les moyens que vous trouvez si vous avez besoin de mes services. Je propose de faire des audits live. Ah! Je vais peut-être me faire des petites sessions à prendre les mêmes risques que Pascal d'ailleurs en faisant des audits live de sites que je vais prendre un petit peu comme ça sans prévenir personne. C'est l'idée. Alors peut-être que je vais me prendre les pieds dans le tapis comme Pascal avec je sais plus quelle thématique en SEO local. Les toitures, je crois. Oui, c'est un peu fait engueuler. Et donc, ben, la semaine prochaine, la surprise va se dévoiler. Attention, c'est qui, c'est qui? Qui c'est, qui c'est? Qui c'est? Attention.
Bon, j'aurais eu du mal à l'avoir, hein. Et voilà, et c'est le fameux Kevin Richard. Non. Alors ça, et vous avez eu l'effet? L'effet magnifique que j'ai fait là? Ça, franchement, moi je dis c'est toute la puissance de PowerPoint. Donc voilà, la semaine prochaine, on aura rendez-vous avec Kevin Richard qui va venir nous parler de ce fameux outil, justement, SEO Observer. Donc la plupart des SEO avertis connaissent évidemment l'outil. Après, on a quand même pas mal de gens qui se lancent dans le SEO, qui connaissent peut-être pas Bon, la forcément même l'outil. prise. J'espère aussi qu'il nous montrera des tips, justement, parce qu'il y a plein de choses souvent qu'on voit passer, où tu as des gens sur Twitter qui disent « Ah bon, on peut faire ça avec SEO Observer? » Eh ben oui, on peut faire ça avec SEO Observer. Donc je pense qu'il va aussi nous montrer des tours de passe-passe de trucs qui existent tout simplement dans l'outil depuis longtemps, mais que personne n'avait vu. Ou en tout cas, des manières détournées d'utiliser l'outil. Et là, je lui fais une grande confiance parce que Kevin, dans le genre détourner les choses, c'est un fameux professionnel. C'est quand même quelqu'un qui est capable de détourner des sujets pour réussir à obtenir du lien et puis derrière faire changer le pointage. Enfin bref. Le mardi 16, on aura Abdel qui viendra nous rendre visite. Abdel Webseller, le bien connu maintenant, Abdel Webseller. On aura Yannick Bouvard, Yeka, qui est dans le chat et qui anime bien le chat à chaque fois. Merci à lui. Et qui viendra donc le 23 mars nous parler d'un sujet de ouf. Prévoyez de la boisson, des trucs pour grignoter, parce que ça risque de durer un moment. Il est fort. Sarah Connor. C'est à côté. Non, c'est à côté. Il est fort possible que on y passe quelques grandes heures avec un sujet, un mix entre PBN, WordPress et Zenoposter. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Merci à toi, Dan, d'avoir été présent. Merci à tous. Et Merci à tous. à bientôt, mardi prochain. Je vous fais des bisous. Ah, ciao, ciao, ciao. Bye.